Et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où l'on discute des actualités marquantes du mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 30, enregistré le 23 mars 2018. Je suis Axel, l'hôte de ce podcast. On va parler des actualités du 22 février au 23 mars. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois invités, dont un nouveau que je vous présenterai en dernier, puisque je vais d'abord présenter... les habitués, les piliers de bar. oui, bonjour l'image. Ouais, l'image, c'est pas terrible. Morgan, donc, salut. Je passe en premier, c'est cool. Bonjour. Comment tu vas? Bah, ça va super, et toi? Ça va plutôt bien. Ça va, franchement. Voilà. Bah, écoute, si tu vas bien, je vais bien. C'est super. Eddie, salut. Salut. Toi, tu vas bien? Bah, oui, ça va très bien. Eh ben c'est cool. Et enfin, un petit nouveau du coup que Morgan nous ramène et qu'on est content de recevoir. Je déniche les talents, moi. qu'on est content de recevoir pour ce numéro 30. C'est Antoine. Salut. Bonjour à tous. Comment tu vas déjà? Ça va très bien. Ben très bien, très bien. C'est cool. Et est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les auditeurs? Ouais. Voilà. Alors, je m'appelle Antoine, comme tu l'as dit, ouais. J'ai 18 ans, ça fait depuis que je suis tout petit que je suis fan de cinéma. J'anime des émissions, par exemple, sur YouTube, où je fais différentes vidéos où je parle de films que j'aime, de films que j'aime pas non plus, et ça permet justement de m'exprimer de façon libre. Ouais. Et voilà. Ok, très bien. Bah, de toute façon, on reparlera de l'émission YouTube que tu fais à la fin du podcast, et je mettrai de toute façon le lien sur la description du podcast pour les gens qui veulent aller voir ça. Moi ça m'a... Bah, ça commence déjà les sponsors. Ouais. Donc, c'est le problème. C'est normal. Non, hein. On est bien dans un gouvernement Macron. Hein. Le profit. Oula. On adore. Ok, on je sais pas dans quoi tu parles. Je vois venir. Morgan, je sais pas dans quoi tu parles. bref, on est là pour parler de cinéma du coup. Il y a pas mal de news et on va commencer tout de suite avec deux palmarès. Du coup, puisqu'il y a eu les Césars et les Oscars qui sont passés durant ce mois passé, du coup, on va revenir rapidement sur le palmarès. C'est Morgan qui a un peu insisté qu'on le fasse parce que. Un peu. Donc c'est à moi qu'on voilà. File la tâche et je dois tout dire, c'est ça? Non, t'inquiète, je vais quand même. Non mais je peux le faire, hein. Je suis chaud là. Ok, on commence avec les Césars. Du coup, si tu veux donner le palmarès le plus important, hein, meilleur film, ouais, meilleur réalisateur. Ouais, on va meilleur film, acteur. Alors, bah, pour la meilleure actrice, hein, c'était donc Jeanne Balibar hein, qui l'a eu. C'était assez attendu pour ma part. Ah non, effectivement, je n'ai pas vu Barbara, mais bon, voilà. Meilleur acteur, c'est donc Swan Arlo, l'acteur principal de Petit Paysan. Personnellement, une pointe de déception parce que je rêvais de voir Jean-Pierre Bacri primé pour sa magnifique prestation dans Le non moins magnifique, Le sens de la fête, ça qui d'ailleurs était aussi nommé. Non plus, hein. Ouais, il est tellement génial. Meilleur réalisateur, hein, Robin Campillo. Robin Campillo. Non, Albert Dupontel, pardon. Excusez-moi. Oui, alors ça c'est mérité. Voilà, excusez-moi. Oui, voilà. Voilà. Albert Dupontel pour son magnifique Au revoir là-haut. C'était mérité, clairement. Ça, c'était mon souhait. Il ne pouvait pas en être autrement. Et enfin, meilleur film. Là aussi, pas de surprise. 120 battements par minute. Magnifique, bouleversant. De Romain Campillo. Je suis content. Néanmoins, j'aurais quand même filé, pour ma part, le César à Albert Dupontel. Parce que moi, effectivement, je pars toujours du principe que je récompense un film méritant, ambitieux. Il faut que tout soit combiné. Je trouve que 120 battements par minute, il est important, mais il est moins ambitieux qu'un Au revoir là-haut. Voilà, et moins maîtrisé artistiquement, formellement. Oui. Quoique ça se. Enfin, c'est vrai que je suis mal blasé pour parler, j'ai pas encore vu Au revoir là-haut, mais. Pas... Ouais. J'ai pas vu non plus. Mais c'est vrai que 120 battements par minute, il y avait quand même des choix artistiques aussi qui. Oui, oui, y en assez avait... notables pour un film comme ça. Mais... Il y en avait, mais j'en aurais aussi donné dans le sens de la fête, parce que le sens de la fête, derrière son côté comédie un peu chorale, il y a quand même un sens du rythme, on est dans une espèce de Burnman version mariage, je trouve. Un petit peu. C'est une galerie de personnages, ça va très vite, c'est très dynamique, c'est très drôle, et avec une petite scène, toi qui l'as vu, Eddy, il y a quand même une scène d'émotion à la fin, je sais pas comment tu l'as prise, mais elle marche vraiment. Oui. Elle est très belle, vraiment, avec un échange de regards. Donc, je l'aurais quand même donné à...
j'aurais donné peut-être un prix à ce film-là parce que finalement c'est la preuve que la comédie française n'est pas morte en France, qu'on peut faire des grandes comédies populaires touchantes et drôles, et ce film-là aura peut-être mérité un petit coup de pouce. Bon alors après petite parenthèse, c'était moins fédérateur quand même qu'Intouchable ou Samba, hein, je trouve. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Après, le film a eu cette étiquette par les réalisateurs d'un chef qui fait que les gens y sont allés, en fait. Spectateurs moins cinéphiles, quand même, qui n'ont pas spécialement ri, qui n'ont pas trouvé ça... Mais après, je peux comprendre. Je pense que le sujet est moins... c'était moins dans l'émotion, justement, qu'Intouchable ou Samba. Moi, j'ai pas vraiment aimé Samba, mais Intouchable... Moi, j'ai détesté Samba, moi. Mais effectivement, ça joue pas dans la même cour. C'est pour ça que je pense que c'est un peu moins fédérateur. C'est pas pour autant que ça en fait un mauvais film. Au contraire, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien, je le reverrai avec plaisir. Mais 3 millions de spectateurs, 3-4 millions, c'est quand même pas mal. Hein, il me semble. Je suis pas sûr. Alors, par contre, justement, en termes de millions d'entrées, il y a eu un premier César, la petite nouveauté, c'est le César du public. Donc, on avait dit les catégories importantes, Morgane. Oui, non, mais c'est bien d'en parler parce que justement, oui, ça va me permettre de pousser un petit coup de gueule parce que je trouve encore une fois que l'Académie est très snob. Pourquoi on ferait pas un César de la meilleure comédie, Enfin, plutôt que. Parce que finalement, les comédies qu'on aime ou pas, effectivement, je ne vais pas relancer le débat, mais ils font partie du cinéma français. C'est ces grosses comédies qui cartonnent, qui permettent à des petits films d'exister. C'est comme ça que ça marche. Donc, plutôt que de remettre le prix. En plus, c'est vraiment pas une bonne promo pour. Alors, déjà, j'ai pas aimé le film Red Dingue, mais en gros, c'est le film qui a fait le plus d'entrées, on lui remet le César du public. Déjà, c'est pas forcément révélateur parce que c'est pas parce qu'un film cartonne que c'est pas le public qui a voté. Il y a pas un public qui a voté. C'est juste par rapport au nombre d'entrées. C'est juste par rapport au nombre d'entrées. Alors voilà. C'est ouais, ça. D'accord. Donc, ok. Moi, je trouve ça malhonnête parce que par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu qui a fait, je crois, 12 millions. Nul, honnêtement, aussi. Il les mérite pas. Et franchement, j'aurais jamais donné un César à ce film-là. Donc, je pense qu'il faudrait faire à la limite plutôt que de faire un César du public qui ne veut absolument rien dire du tout. Pourquoi pas faire le César de la comédie? On met des comédies populaire, alors oui, il y aura du Kev Adams dedans, il y aura du Danny Boone et tout, mais on laisse les académiciens ou même le public voter sur internet. Aujourd'hui, on peut tout faire. Je pense que ce serait bien aussi de garder un côté un peu. Moi, je suis à peu près d'accord. Ce serait beaucoup plus cohérent. Parce que c'est le grand public qui va voir ces films-là. Effectivement, c'est pas l'élite des académiciens, les parigots, ouais, après, etc. C'est pas eux qui vont les voir ces films-là. Par exemple, il y a pas tout le monde qui va aller voir un 120 battements par minute, Au revoir là-haut, tout ça. Par exemple, une famille va plus aller voir une comédie ou ce genre de truc. Bah c'est ça. C'est clair que moi, tu vas pas voir 120 battements par minute. Ouais, voilà, enfin, ouais. Ouais. C'est clair. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien à la limite qu'on fasse voter le public parce que. T'aimerais bien qu'on aille voir 120 aussi... battements par minute avec nos enfants. Et ensuite, on va voir Ghostland, une belle sortie familiale et tout, un petit film d'horreur avec Mian Farmer. Vous allez vous régaler. Et j'aimerais bien voilà, qu'on donne un peu la parole au public parce que le public qui vont voir les comédies populaires, c'est pas des abrutis qui sont drogués à Touche pas à mon poste, etc. Coucou Marianne. Il fait un coucou à lui-même, hein, juste pour prier. Je vois ça. Oui. Je le dis, j'aime bien TPMD. Voilà. Non, mais. Je me prends pour Godard. Non, mais c'est pour dire que le public fait. Le public fait exister aussi. Enfin, donner la parole au public. Voilà. Oui, voilà. Clairement. Non, mais c'est vrai. Le c'est César vrai. Du public ne veut absolument rien dire. C'est vrai. Donc voilà. Et juste pour finir, je voulais quand même dire que meilleur espoir masculin. Bon, je vais dire meilleur espoir féminin. Camilla Jordana pour le Brio, j'ai pas vu le film. Ouais. Voilà. Mais meilleur espoir masculin. Et d'ailleurs, je l'avais prédit. Camilla Jordana, tout le monde pensait que. Tout le monde pensait que ça allait être Garance Marillier qui joue dans Grave. Moi, je l'ai dit, vous allez voir, ça va être Camélia Jordana. On me dit, Morgan, tu débloques complètement. Qui avait raison, c'est Bibi. Ouais, Voilà. Et du coup, et le meilleur espoir. Sans grande surprise, de toute façon, tout le monde le savait avant même. Manuel Pérez Biscayart pour 120 battements par minute, mais aussi. Un peu de façon. Il était aussi dans. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Donc voilà, c'était aussi pour ça, mais principalement pour son battement par minute. Donc voilà, c'était mérité. Bref. Magnifique. Par contre, je trouve ça triste quand même que Grave n'ait rien gagné. C'est. Petit Paysan qui a eu les prix meilleur premier film, ouais. Tout ça. C'était attendu aussi pour moi. Pour moi, Grave ne pouvait pas gagner.
Après, c'est la preuve aussi que ce Grave a quand même eu un petit succès public, hein, mine de rien. Ou même un impact quand même. Il y a eu un impact. Bah, et le du fait coup, qu'il soit nommé, on voit déjà, bien quand même que. Ouais, oui, voilà. Il est nommé, mais bon, c'est vrai qu'il aurait mérité. De toute façon, le cinéma de genre en France est très mal vu. Ghostland, qui est en train de cartonner véritablement, il aura, enfin, il sera pas nommé, hein, alors que c'est un film génial, mais bon, cinéma de genre en France, c'est pas vraiment ça, quoi. Heureusement qu'il y a des festivals comme les festivals de Gérard Armé qui permettent justement à des films Oui, français voilà. de genre d'exister, parce que là, enfin d'avoir une vision. Oui, non, Voilà, il y en voilà. a plein en France et en Europe des festivals de films fantastiques qui fonctionnent très bien et qui font voir des films fantastiques français et européens au public. Et ça, c'est très bien. Ouais. Festival Gérard Armé, et justement j'en parle, et Ghostland a eu le prix du public, enfin il a tout cartonné à Gérard Armé. Et voilà, on en parlera dans le prochain podcast, Oui, mais ouais. franchement allez-y, là je vous le dis tout de suite, allez voir Ghostland, c'est une priorité, vraiment. Ok. Ce sera sans moi, merci. Hein. Non, il faut le voir, non, faut le voir, faut pas s'arrêter à Mylène Farmer parce que c'est pas du Oui, non, tout, mais elle chante pas dans le même film. le film Mais me. ah, il est tellement. Oh là là. Mais après, au niveau cinéma français, on est quand même plutôt bon. Ah bah ouais, la Cinéma preuve, hein. d'horreur. Ah ouais, bah la Avec preuve, Sandra hein. Jaa, rien qu'avec son Tension, tout ça, c'est quand même pas mal. Bah après, Alexandre, bah après, Tension, ça date de 2001, donc enfin, ouais, Oui, 2000. mais bon, tu vois déjà. Enfin, il est oppressant, je trouve, quand même, Tension. Il a été le Surtout pour un précurseur, vieux film Alexandra comme ça. Jaa. Un vieux film. Alexandra Jaa, il a été, il a 2001. Oh là là. Oh non, pas celui-là. Bah Alexandra Jaa, il a été le précurseur. C'est lui qui a un peu redonné, a relancé le truc. Hein. C'est grâce à lui, Oui, voilà. voilà. Donc Haute Tension est Ah excellent. bah c'est sûr qu'il fait pas les mêmes Mais films que son papa. oui, c'est oui, clair. c'est vrai. Alexandre Arcadie, là. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait les Césars, on passe aux Oscars. Passons aux choses sérieuses, hein, s'il vous plaît. Ouais, passons aux choses sérieuses. Voilà. Voilà. Donc, Donc, bah, meilleur vas-y, acteur dans un Morgane. second rôle, je suis très heureux pour lui. Sam Rockwell, excellent dans Three Billboards. Alors, je suis heureux pour lui, mais d'un avis personnel, je l'aurais donné à Woody Harrelson dans le même film. Parce que Woody Harrelson, j'ai trouvé encore plus touchant et plus surprenant. Sam Rockwell, finalement, son personnage est un petit peu classique dans son développement. On sait à peu près où est-ce qu'on va. Et du coup, bon, c'est mérité pour lui. Meilleur acteur, donc, sans grande surprise, Gary Oldman pour Les Heures Sombres. Hein. Mec, il y a un acteur, grimez-le, faites-le cabotiner, il a un Oscar. Coucou DiCaprio. Non, mais c'est un Oui, acteur non, non, mais génial, il c'est. est excellent Oui, dans non, mais Les Heures Sombres. je suis. Mais je suis. Encore une fois, j'ai l'impression qu'aux Oscars, on aime bien récompenser les performances qui. Voilà, faut en faire des tonnes, quoi. C'est ça. Il faut surjouer, il faut aller dans un biopic, surligner le trait, et on a un Oscar. Gary Oldman méritait déjà un Oscar, par exemple, pour La Taupe en 2012. Il était excellent dans le film. D'un avis personnel, j'aurais donné à Daniel Day-Lewis, hein, qui fait son chant du cygne. Il tire sa révérence. Il Voilà, n'a déjà le pas eu mec un est. Oscar pour Lincoln. Pour Lincoln, et oui, Ouais, cabotiné aussi, voilà. et il faisait encore Ouais, du. franchement, Voilà, je trouve. il le Bah, méritait pas c'était pour du celui-là. maquillage Et... aussi. C'était. Voilà, on est encore là-dedans, donc. Enfin, ça concerne beaucoup les acteurs, moins les actrices, C'est que parce je que. pense vraiment que pour eux, ça fait partie intégrante aussi du jeu, quoi. Hein. Je pense que c'est qu'on n'a pas la même vision, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Alors que moi, c'est vrai que je suis plus sensible à un acteur qui est plus en sobriété, en subtilité. C'est pour ça que l'année de DiCaprio, moi, je trouvais qu'il le méritait dans Le Loup de Wall Street, et alors que Matthew Bien avant, il McConaughey, le méritait. bien avant, Oui, depuis, pour moi, arrête-moi surtout, si tu oui. peux. Mais la même Parce que le année, Loup de je Wall Street, préférais. c'est clairement pas son meilleur rôle, hein, je trouve. Hein. Ouais. Non, c'est pas son meilleur rôle, mais en tout cas, C'est pas son pire non il le plus, méritait mais. plus. Pour moi, il le méritait plus que Matthew McConaughey, qui lui, encore une fois, c'était encore la performance calibrée Oscar. Et cette même année-là, où DiCaprio a eu son prix, j'aurais préféré Michael Fassbender, qui était absolument brillant en Steve C'était Jobs, pour quoi. Dallas Voilà. Buyers Club? Ouais, à l'époque, ouais. Mais Oh, l'Oscar pour DiCaprio, c'était pas. Il n'y a pas Internet aussi qui a quand même joué un petit peu avec toute cette Ouf, hype qu'il y avait carrément. autour à l'époque pour que Bah oui. justement on puisse donner enfin justement l'Oscar pour DiCaprio. Oui, alors, mais il y a plein de. Par exemple, Hitchcock n'a jamais eu d'Oscar, et puis on. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais je veux dire, il y a plein de. Kubrick l'a jamais eu non plus, enfin, il y en a plein. Bah, pourquoi Kubrick n'a jamais eu DiCaprio plus d'Oscar. qu'un autre? Et donc, du coup. Ça décrédibilise complètement les Comment? Oscars de dire que Kubrick n'a jamais eu d'Oscar, ni Alfred Hitchcock d'ailleurs. Enfin, C'est moi, je vrai, trouve que c'est ça vrai. Et pourtant, décrédibilise rien que pour complètement. les prix de mise en scène, ils en auraient mérité, hein. Rien que Ouais. ça. Hein. Oui. Et Même Hitchcock, je dis pas que tous les Hitchcock ne sont pas forcément bons, mais rien que, enfin, dans le huis clos quand même, je pense qu'il y avait des Oui, choses à récompenser chez lui. ouais. Claire.
C'est clair. Et juste avant que tu continues, Morgane, je voulais juste finir sur Gary Oldman, du coup, et dire que ce qui me paraît apparent, comme tu disais, c'est que l'Académie compte beaucoup sur, le grimage des acteurs. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de choses par rapport à l'extérieur du film, en fait. Ce que les acteurs font à l'extérieur du film, par exemple pour Lincoln, justement. Daniel Day-Lewis avait passé des jours dans une cabane à couper du bois, à se mettre à l'époque, comme s'il était à l'époque de Lincoln. Comme DiCaprio sur Zero. Voilà, Event. c'est ça. Et j'ai l'impression que l'aspect hors film joue plus d'importance. On dit oh les pauvres, ils ont dû subir ça. La préparation, oui. Voilà, c'est ça. Ils ont dû subir ça, donc du coup, ils méritent bien un Oscar plutôt que véritablement la performance dans le film, quoi. Donc voilà. Oui, c'est exactement ça. Après, il est excellent dans le film, je l'ai trouvé bluffant, mais voilà, c'est pas ce qui me touche le plus en termes de jeu d'acteur. Ouais. Et justement, là, pour le coup, l'Oscar de la meilleure actrice mérité pour Frances McDormand dans Philip Bord. Si. Alors là, c'était voilà, je suis en amour pour ce film et je crois que pour l'instant c'est mon film de l'année. Enfin, il est pas encore sorti, mais mon film de l'année c'est Ready Player One. Mais en tout cas, si, je vous le dis. J'espère que tu vas pas être déçu, hein, vraiment. Mais non, j'ai peur de ça aussi. Tout le monde adore. Déçu, mais non, je pense pas. Enfin, j'espère pas en tout cas. Mais en tout cas, elle était excellente. Vraiment, j'ai adoré son jeu, mais très dur. Enfin, elle bouffe l'écran, quoi. Elle a un côté un peu camionneuse, absolument génial. Elle est drôle, elle est émouvante. Enfin, il ne pouvait pas en être autrement. Pour l'Oscar du meilleur réalisateur, alors. J'ai beaucoup aimé La forme de l'eau. Ouais. J'aime bien Guillermo del Toro, même si j'ai dit que Labyrinthe de Pan, je suis pas très fan. Oula. Mais c'est mon avis, je sais. Oula, je l'ai oula, vu deux oula. Fois. En fait, la première fois, je l'ai oublié. La deuxième fois, je me suis fait chier. Bon, donc il c'était dire, il y a pas longtemps. Il ose le dire deux fois. Oui, non, mais non, c'est bien. Non, non, mais voilà. Mais, non, mais après, non, non, mais t'as complètement. Non, mais il y a des droit, trucs. Non, mais t'as complètement le droit de. Oui, pas, oui. Il y a des trucs qui sont mieux. Par exemple, je préfère un Sergi Lopez qu'un Michael Shannon, par exemple. Ah ah. Il est génial, Sergi Lopez. Mm. Pour dire, Oui, c'est mais, vrai. Mais voilà, donc d'un avis personnel, ce film-là est abouti techniquement, mais je n'y aurais peut-être pas donné d'un point de vue subjectif, parce qu'il y avait Paul Thomas Anderson et Christopher Nolan à côté qui, pour moi, avaient quand même mis un niveau assez au-dessus, même de Jordan Peele, franchement. Ouais. Honnêtement, même si j'ai beaucoup aimé La forme de l'eau, Jordan Peele méritait plus l'Oscar de meilleur réalisateur que Guillermo del Toro. Bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, justement. Est-ce qu'ils ont donné l'Oscar pour l'ensemble de sa carrière ou est-ce que c'est vraiment justement pour ce film? Je pense. Ou pour faire chier Trump. Oui, aussi, peut-être, ouais. Bah oui. S'il voulait faire chier Trump, il l'aurait donné à Jordan Peele. Hein. Oui, plus à Jordan Peele. Non, c'est plus les Mexicains finalement. Regarde La forme de l'eau, tout ça. Bon. Et justement, en termes de meilleur film, alors là, grosse surprise parce que je ne l'avais pas vu venir. Je ne pensais pas qu'ils allaient oser. Mais en même temps, c'est bien. Donc, La forme de l'eau, hein, Oscar du meilleur film. Récompenser un film fantastique dans une académie aussi prestigieuse. La blague. Il dit qu'il rigole dans son coin. Mais c'est très bien qu'il l'ait fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Hein, Mais moi, je trouve que même si j'ai aimé le film, il méritait pas le film. Ça, c'est clair. Non, moi, je l'aurais donné à Three Billboards ou à Phantom Thread. Mais plus à Three Billboards. Three Billboards, il y a quelque chose qui m'aurait vraiment plu parce que lui, je le trouve assez contemporain. Enfin, c'est très beau comme film. Mais après, c'est bien parce que c'est finalement du cinéma de genre qui est récompensé. C'est pour ça que oui. C'est vrai. C'est pour ça que je peux pas. Mais ça me dérange pas. J'aime pas vraiment le film, mais, mais oui, ça me gêne pas que ça soit celui-là qui ait remporté l'Oscar, parce que ça montre quand même que des films de genre peuvent. Que c'est pas fermé à ce genre de film, quoi. Ouais. Et c'est grâce à ça que Del Toro va pouvoir faire enfin ses montagnes hallucinées, que tout le monde attend. Voilà. Ça, je suis pas totalement sûr. Pas sûr de ça. Je pense pas. Ah non. Ah bon? C'est un projet quand même assez maudit hein, qu'il a repris oui, annulé. Oui, c'est un peu Don Quichotte. Hein. C'est ça, c'est vraiment ça. Et Don Quichotte bientôt normalement. Ouais, mais pourquoi pas. Guillaume a bien fini par le faire sans Don Quichotte. Voilà. Donc, avec la budget tel et avec c'est l'interdiction au moins de 17 ans, je crois. Je pense pas qu'un studio voudra financer le film. Pour un tel projet, je pense pas. C'est prendre des risques. C'est ça en fait le souci, c'est que faudrait vraiment que La forme de l'eau fonctionne
vraiment énormément pour qu'il puisse financer la majeure partie du film. Bien, hein, oui, même, mais il fonctionne bien. Même en France, il a dépassé le million d'entrées. Hein. C'est quand même pas. Ouais, ouais. C'est quand même fou. Hein. Enfin, je non, mais ça... parce qu'à l'époque, on avait quand même Cameron à la production. Oui, c'est vrai qu'on avait... il y avait Cameron qui était annoncé à la production. Et Cameron Diaz. Bien sûr. Merci bien sûr. Morgane de cette enfin, Cameron Diaz, en plus, pour l'anecdote, elle a dit qu'elle avait fait une pause dans sa carrière là. Ouais. Voilà. Ah bon, bah elle avait déjà commencé. Cette anecdote. Sa carrière, elle avait déjà commencé. Oh, Morgane. Bon, elle a quand même une belle carrière. Charlie à chocolaterie, n'importe quoi. Charlie, c'est drôle de dame. Pff, le crossover. Non, j'adore Cameron Diaz. Ah ouais, non, mais je... elle a un sourire magnifique. On parlait que du haut. Morgane. Elle avait pas joué dans Sex. Dans le truc. Sextape. Ouais. Non, mais indépendamment de ça, Marie à tout prix, c'est vachement drôle. La pub Apple. The Mask, quand même, même si c'est pas. The Mask, oui. The Mask. Oui, The Mask, c'était voilà, son premier rôle en plus hein, au cinéma, il me semble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, non, mais, et Charlie, c'est le rôle de dame, on va réhabiliter ça, mais c'est génial. Ah non, c'est bien Sam Rockwell d'ailleurs dedans, on est dans le thème. Un barjo comme Jim Carrey. Avec un ouais, ça, je crois que ça te dégoûte du métier, t'arrêtes. Hein. Moi, je suis là, je suis oula. Bon, il était pas encore dans sa période la plus barjo. Hein. Et c'est pourtant son meilleur film pour moi. Pour moi, ouais, c'est son meilleur mais film. Après, il est bien parti lancé, dans hein, des. Quand même. Ouais, c'est clair. Mais après, c'est sûr, c'est pas menteur-menteur. Voilà, c'est ça. C'est tu fais vraiment. It was me. C'est trop rire. Non, menteur-menteur, c'est. Je revois la scène dans ma tête et ça me fait trop. Enfin, moi je revois la scène du martien dans The Mask, moi. Je crois que ce martien. Je crois que c'est. Voilà. Bon, c'est bon. Non, ouais. Non, faut non, pas. D'ailleurs, Jim Carrey n'a pas. Voilà. D'ailleurs, Jim Carrey n'a jamais eu d'Oscar non plus. Oui. Oui. Alors que. Je sais pas pour quel film il aurait pu. Honnêtement, j'ai pas aimé le film. Oui, mais... Man of the Moon, c'est vrai. Man of the Moon ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah oui, non. Non. Que je n'aime pas. Je déteste. Oui, oui, moi je l'ai non, vu. Non, je veux le voir. Excellent. Je veux le voir, moi. C'est excellentissime. I Love You, Philip Morris, il aurait pu avoir un Oscar. Ah oui, aussi. Aussi, ouais. C'est j'avais vrai, pas pensé à celui-là, ouais. C'est vrai. Il est pas mal en plus, celui-là. Il est très très bon, ce film. Ouais, j'aime bien. Juste pour finir, du coup, meilleur scénario original. Quand même Get Out, qui est plutôt enfin quelque chose. Voilà. Oui. Meilleur oui, scénario adapté, oui. Call Me by Your Name, meilleur film d'animation Coco. Bon voilà. Bah, meilleur film d'animation, c'est que des Disney finalement tous les ans qui reviennent. Bah c'est normal, ils sont tous très bons. Oui. Ouais, bah, ouais mais bon. Oui. C'est une honte que Baby Boss n'ait pas gagné quoi. Oui. Parce que non. Et Ferdinand, mon c'est Dieu, il n'y a pas Ferdinand. Parvana, limite Ferdinand aurait gagné, ça ne m'aurait pas gêné. Mais bon, c'était impossible qu'il gagne. Mais je veux dire, le sujet est important quand même. La passion de Van Gogh aurait pu. Enfin. Ah oui, aussi, il avait l'air pas mal. Jamais, ça l'aurait mérité, oui. Jamais il aurait pu gagner. Mais le fait qu'il soit au moins nommé, c'est quand même quelque chose de bien. Donc voilà, meilleur film étranger, Une femme fantastique, film chilien. Meilleur film documentaire, Icar. Meilleure musique, Alexandre Desplat pour La forme de l'eau. Meilleur scénario adapté, Call Me By Your Name. Oui, oui, je l'ai dit avant. Ah, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Meilleure chanson, Remember Me de Coco. Donc ça, c'est mérité, clairement. Ah oui. Meilleure photographie, Roger Dickens pour Blade Runner 2049. Mérité, forcément. Et puis on va dire encore meilleur effet visuel Blade Runner voilà mérité pour tout ça donc maintenant qu'on a fait tout ça gros. On va pouvoir passer voilà, on va passer aux news vraiment donc voilà ouais les vraies news donc on commence avec une j'allais dire une première news mais oui c'est clair donc Joss Whedon avait annoncé qu'il allait travailler sur Bad Girl du coup. Et là, il a annoncé finalement qu'il arrêtait de travailler dessus parce que il a trouvé que il trouvait pas d'histoire qui correspondait à l'univers et il a dit à Hollywood Reporter que Bad Girl était un projet qui était excitant et que Warner et DC ont été des partenaires collaboratifs et encourageants et qu'il lui a fallu des mois pour se rendre compte qu'il avait pas vraiment d'histoire.
Il est reconnaissant envers blablabla. Il s'est pas dit ça à l'époque d'Avengers, lui. Ouais. Mais voilà, au moins, il se rend compte qu'il a pas vraiment, enfin, qu'il a pas le matériel pour avancer dans ce film, et du coup, qu'il arrête complètement. C'est honnête. Voilà, c'est honnête, mais bon, il aura juste bien trollé quand même Justice League. Quoi. Oui, oui. C'est son dernier film en date. Hein. C'est son dernier. Il n'y aura jamais Justice League quand même. Si, il faut l'oublier justement. Ouais, mais moi, j'espère toujours une version. Moi aussi. Longue avec une version Snyder. Ouais. Attention, absolument. Je vais faire mon puriste. Moi, j'espère une version de George Miller telle qu'il était prévu oui, aussi. Les années 2000. Ah non, surtout pas. Non, mais vous avez vu la gueule des costumes? J'ai vu la photo de tout à l'heure, c'est horrible. Ah non. Mais non, mais c'était des visuels d'époque, attention. Hein. Non, oui, mais c'était des visuels préparatoires. Bah oui préparatoires. Ah, et regardez préparé, Superman Return. Regardez Superman Return de Bryan Singer. Il est pas ouf le film. Justement, c'est l'inverse. Le film est pas si mauvais que ça. Les costumes sont pas top, mais le film est pas si mauvais. Donc en soi, c'est juste le contexte de l'époque, oui. Je pense. Après, aujourd'hui, oui. Ça aurait une gueule différente. Quoi. C'est clair. Bon, voilà. Donc Bad Girl. Bad Girl, je m'en foutais. Donc... Voilà. Antoine, toi, tu t'intéressais au projet ou pas du tout? Pas trop, pour être honnête, ouais. Vraiment pas. Le fait que ce soit surtout Joss avec Whedon, ouais, en plus de ça, non. Ok, donc ça sent le pro DC Comics là quand il dit ça. Un petit peu, mais vu ce qu'il a fait sur Justice League, non, je pardonne pas. Attention, on a un frustré. Il a beau avoir Snyder, fait Avengers attention. 1 et 2, je pardonne pas. Frustré de Stein. Non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui Avengers 2. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est 2. Je pardonne pas ce qu'il a fait sur Justice League. Ouais. Et Morgan, du coup, toi, ça t'intéressait cette histoire au Ah non, je m'en tape autant que lui. Ok, voilà. Bon, ben moi personnellement, ça me rendait pas si, enfin, ça m'intéressait pas tellement que ça. Non, ça m'intéressait pas du tout. Mais autant j'attends Captain Marvel là, mais alors. Mais voilà, donc Joss Whedon ne réalisera pas Bad Girl. On passe à la news suivante avec une date de sortie déjà pour Jurassic World 3. Donc yes Jurassic World Fallen Kingdom n'est même pas sorti. Qu'ils annoncent déjà une date de sortie qui est prévue du coup pour le 11 juin 2021, soit 3 ans après Fallen Kingdom, quasiment jour pour jour. Le film sera. C'est ça. Ouais. Le film sera coécrit par la scénariste Emily Carmichael, qui s'est occupée du scénario de Pacific Rim Uprising. Et Oui, elle a fait quelques courts-métrages aussi. Oui, voilà, aussi. Mais, ouais. Et par Colin Trevorrow. J'ai pas vu Pacific Rim 2, mais là. Moi non plus. J'ai eu cette chance de pas le voir, je pense. Je l'ai pas encore vu, donc je peux pas me prononcer. Mais voilà, donc co-scénarisé par Emily Carmichael et Colin Trevorrow, donc réalisateur du premier film. Colin Trevorrow. Il sera toujours là. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Donc Colin Trevorrow a annoncé qu'il était important pour cette franchise qu'il puisse accueillir de nouvelles voix créatives afin de conserver. Il était important que ça fonctionne. Bah, tu penses le pauvre, il aura fait que ça dans sa carrière, donc. C'est clair. Ouais, non, franchement, son premier film. Voilà. Moi, oui, je renvoie d'accord. À son premier oui, film. Oui, mais bon, le mec s'est fait virer de Star Wars. Si les Jurassic World ne marchent pas, sa carrière est finie. C'est clair. Au chômage, je pense. Donc, afin de conserver leurs histoires fraîches et vivantes, il est ravi de la tension et de la beauté que Bayona a apporté à Fallen Kingdom. Et il sait que Kemini ajoutera une couche supplémentaire d'émotion au chapitre final de la trilogie. Il l'a annoncé dans un communiqué officiel. Voilà, donc... date de sortie, on n'en sait pas plus. On sait juste que voilà, Emily Carmichael sera au scénario. On n'a pas de réalisateur. Je pense que Trevorrow va revenir. Oui. C'est quasi sûr. C'est quasi sûr, ouais. Ouais. Mais oui, mais... Comme... Le gars, il s'est fait virer de Star Wars 9, il a plus que ça, donc... Mais oui, c'est évident. Et c'est... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Oui et non. Parce qu'il va revenir sur un film et... Le problème, c'est que Star Wars, ça lui aurait permis de se faire un peu de bagage, quoi. Oui. Alors que là, bon, bah, il a fait Safety Not Guaranteed et puis Jurassic World et c'est tout. Est-ce qu'il a fait un film indépendant aussi.
Oui, Stephen Hill Guaranteed qui est le non, film. Non, après Jurassic World, justement, c'est Book, c'est ça. Ah oui, d'accord, d'ailleurs. Ok, je l'ai pas vu. Donc, non, c'est plutôt une belle histoire, ouais. Assez sombre en plus, curieusement. Ok, mais après, c'est vrai que... Enfin, moi, je reste quand même un peu persuadé, même si le deuxième trailer de Jurassic World Fallen Kingdom nous révèle plus la patte de Bayona, je reste quand même... intimement persuadé que Trevorrow c'est est aussi derrière. Un film de Trevorrow. Bah, il est à la production, il me semble. Oui, mais ouais. Il y aura beaucoup de Trevorrow, je pense, dans ce film. Oui, vu qu'il a plus beaucoup de choses à faire Star Wars. Je pense qu'il a bien mis son grain de sel dans toutes les idées. Et, même au niveau du montage qu'il aussi. S'est pas... Je pense. Oui. Ouais. J'espère qu'il ne s'est pas totalement réapproprié le film. C'est ça le truc, quoi. Ça m'emmerderait de voir un film de Bayona monté par Trevorrow, quoi. Ouais, ouais, je comprends, ouais, je vois. Parce que Bayona a beau faire de belles images et il sait tenir une caméra, après, si la cohérence n'est pas là dans les plans pour créer l'émotion, ça fonctionnera pas. Totalement. Si le montage n'est pas cohérent, c'est clair qu'il risque de gâcher un film. Du coup, est-ce que Trevorrow arrivera à enchaîner, si Juan Antonio Bayona, si Jurassic World Fallen Kingdom correspond à la vision totale de Juan Antonio Bayona, est-ce que, d'après vous, il arrivera à suivre ce film et cette vision. Alors, est-ce qu'il va repartir dans son univers un peu plus pop, un peu plus, Un peu plus fun un peu plus, oui, dans l'hommage au film de, des années 90, moi, je pense. Ouais, parce que, après, je peux me tromper, c'est vrai que je le perçois comme quelqu'un qui a un peu d'ego quand même. Mm. Et qui se persuade que ce qu'il fait c'est génial alors que bon c'est sympa mais c'est pas non plus Jurassic World, moi c'est pas pour ses qualités techniques que je l'apprécie, c'est clair, c'est plus pour son discours derrière, mais parce que le film en lui-même bon c'est oui évidemment c'est sympa, on voit un parc ouvert, la mise en scène est pas dégueulasse, il s'est filmé mais c'est pas Spielberg quoi, c'est pas impressionnant, pense que Jurassic World en 3D limite, bon évidemment les effets spéciaux sont différents, mais moi je pense que Jurassic Park est plus impressionnant en 3D rien que parce que Spielberg sait créer une profondeur de champ que le film de Trevorrow. Ouais, c'est clair. Antoine, toi, ton avis là-dessus? Moi je pense qu'il va peut-être repartir dans son style. Déjà à l'époque, par exemple à l'époque de la promotion de Jurassic World, il avait dit que la saga Jurassic Park c'était comme Star Wars, que chaque film devait avoir sa propre vision, chaque film devait avoir un réalisateur différent. Moi, je pense qu'il va peut-être repartir sur son style du premier Jurassic World, qui, bon, moi, je suis pas forcément contre, moi, j'aime beaucoup Jurassic World, mais je pense que j'aurais quand même voulu voir quelqu'un d'autre le remplacer. Mmh. Par exemple, Matt Reeves, celui qui a fait Planète des Singes, tout ça, j'aurais bien voulu le voir sur la saga. Mais bon, avec Batman, avec Batman, c'est ça le problème. Et... Moi j'aurais adoré voir Brad Bird sur un projet comme ça. Je sais que ça se fera jamais. Hein, mais... Ouais, c'est un peu compliqué. Mais j'aurais adoré voir Brad Bird sur un projet comme ça, ça aurait été génial. C'est clair, c'est clair. Après, on peut avoir une surprise. Hein, Oui. Oui, mais je pense mais du, pas. Du coup, il risque de faire comme Star Wars, la nouvelle trilogie. Que J.J. Abrams reprend après avoir fait le 7, il s'occupe du 9. Ah bah voilà, bah j'ai pensé à la même chose. C'est à peu près le même schéma quoi, qu'on aurait avec cette saga Jurassic World du coup. Je vois pas Joe Johnston revenir pour faire le troisième. Oh, j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien. Ça pourrait quand même, c'est vraiment drôle. Ouais, même ça si serait 3... sa rédemption peut-être. Même si 3 est vraiment... Mais bon après, le 3 c'est pas de sa faute. Pour moi, il est pas le seul fautif. Non, c'est clair qu'il n'est pas le seul fautif, hein, mais voilà. Mais bon, là, c'est pareil, Universal, je pense que Jurassic World a tellement fonctionné que du coup, je pense qu'ils ne vont pas trop faire chier Trevorrow non plus, quoi. Mmh. Parce que ils ont même un cahier des charges à respecter. Oui, mais bon, et à mon avis, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, quoi. Je pense aussi. Et c'est surtout que Jurassic World a fonctionné malgré qu'il y a eu beaucoup quand même de critiques négatives, hein, le film est loin de faire l'unanimité, mais je pense pas qu'ils en tiennent compte en fait de ça, je pense surtout que là ça a marché, donc c'est ça a marché après, financièrement bien plus que marché même, c'est énorme quand même. Oui, c'était assez énorme et je pense que c'était aussi une grosse surprise pour eux. Le plus rapide je crois en termes de
Le démarrage le plus rapide, je crois. Il n'a pas été dépassé après Star Wars 7. Ouais, il a été battu par Star Wars, il me semble. De toute façon, ça a été une drôle d'année 2015, là. C'est clair. C'est clair. Juste pour ajouter une dernière petite chose. Dans l'interview, je trouvais ça quelque chose. Il a dit justement quelque chose que je trouve très sympa. C'est par rapport à l'époque de Jurassic World, ils savaient déjà où ils allaient aller pour Jurassic World 3. Et ça, je trouve que c'est un problème justement dans les suites de maintenant, c'est qu'on essaye toujours d'arranger pour trouver un lien entre les sagas, tout ça. Par exemple, Star Wars, la nouvelle, t'as pas l'impression que justement, à partir de Star Wars 7, ils savaient où ils allaient aller pour Star Wars 9. Moi, je pense que J.J. Abrams savait où il voulait aller, mais Rian Johnson, Rian Johnson est venu foutre un bordel monstre. Je pense aussi, Et du coup, là, ça va être des merdes de toi. Mais c'est très bien. Moi, je pense que c'est bien. Ça je trouve que c'est très bien. Moi, ça met de la cohérence dans la saga et c'est une continuité. Ça, je trouve que c'est quand même vachement important à souligner. Et du coup, Jurassic World, oui, je pense que ça, parce que de ce qu'on a vu, par rapport au premier film et ce que l'on voit là dans les dernières bandes annonces, je pense que oui, on reste quand même sur cette idée de c'est assez proche des romans finalement avec les entreprises qui essaient de se droit animal le tout ça. Projet. Ouais. Donc je sais pas, on va bien voir. Moi je suis partant. Fallen Kingdom. Moi pour le moment, le deuxième trailer m'a quand même plus convaincu que le premier. Bah, le premier était un peu lambda, je trouvais. C'était plus une succession de scènes d'action. Il y avait rien surprenant, je trouve. Le deuxième donnait plus envie, presque que par son ambiance et sa photographie surtout. Ouais. Morgan, toi, quand t'as pas entendu du tout parler sur Jurassic World. Je vous ai manqué. Bah, moi, ça va être simple. J'attends de voir le 2 avant de me réjouir qu'il y ait un 3 qui débarque. Déjà. Là, rien n'est fait encore parce que Bayona est bien mignon, mais bon. Bayona n'a jamais fait de mauvais film. Non, je crois pas. Non. Jamais. J'ai pas vu tous ces films. Donc... Bah, c'est Impossible, c'est The Impossible. Mais... Oh mon dieu. The Impossible est bon. Ah ouais, non, je peux pas. C'est un bon film techniquement, oui. Après, je pense que sur l'émotion, c'est pas son meilleur, c'est trop. Ah ouais, non. Bah, c'est justement ce que j'ai reproché à son dernier quelques minutes après-midi, je trouvais que la fin elle était belle mais c'était trop pathos pour que ça me bouleverse. C'était déchirant. Moi ça m'a jeu d'acteur en plus de ça. Oui, non mais tout à fait, j'ai trouvé ça beau mais pas bouleversant. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu plus dans la retenue. Par contre, l'orphelinat est une tuerie. Là, l'orphelinat, je crois que un 1 2 3 soleil ne m'a jamais paru aussi flippant que dans ce film. Voyez-le ceux qui l'ont pas vu et ceux qui l'ont vu, vous saurez de quoi je parle. 1 2 3 soleil. Oh là là mon dieu. Mais l'orphelinat, c'est un peu comme Labyrinthe de Pan, c'est devenu une référence instantanée quoi. Ah bah, ça a été un film de tous les records. Hein. Il a gagné je sais pas combien de Goya, lui, l'équivalent des Césars en Espagne. Même au Festival de Cannes. Ouais, il a été présenté là-bas. Il semble qu'il a eu des reconnaissances, tout ça. Non, c'est pour ça, pense que sur un blockbuster, il est capable de faire des choses bien. Après, ça va être un peu plus cadré, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puis c'est quelqu'un qui sait filmer. C'est ça, en fait, la différence qu'il y aura avec... Le premier Jurassic World, c'est qu'on sentira plus la patte déjà d'un réalisateur. Oui. La patte. Oui, c'est clair. Ah, c'est le problème de l'expérience aussi. Trevor, il avait un film indépendant à son actif à l'époque. Ren Antonio Bayona, il en a déjà 3. Donc il a déjà son style, tout ça. C'est surprenant d'avoir choisi Trevor pour remettre franchement... une franchise comme ça sur les rails. Enfin, c'est quand même un choix. C'est clair qu'en voyant Safety Not Guaranteed, personne. Saine d'esprit ne dire ce mec là il serait super pour faire Jurassic World. C'est vrai, mais bon après c'est pareil, tu te dis Rian Johnson, Looper, tu te dis pas lui il va réaliser le prochain Star Wars. C'est clair, c'était un peu plus science-fiction, mais qu'à Gareth Edwards c'est déjà plus logique. Pour un Godzilla et son premier film Monsters, c'était déjà beaucoup plus logique. Surtout qu'on retrouve vraiment dans Rogue One ses influences. Oui. Là, ça se sent. Et je m'attends, oui, d'ailleurs, c'est marrant de faire le parallèle avec ça. Je m'attends un peu à ça, je pense, avec Jurassic World 2 déjà. D'accord. Un truc plus dans le style de Rogue One, quoi. Enfin, c'est ce qu'on veut, peut-être, plus. Comment ? Mais en tout cas, c'est ce que je veux. Oui, j'aimerais. Un style plus proche Rogue One. Où on sent les influences d'un réalisateur parce que il a un univers à lui, mais tout en gardant à l'esprit il est dans une franchise et que il y a aussi. Enfin, cette franchise a une histoire, c'est quand même pas rien. Ça va être ce sera le cinquième film. Ouais. Donc, ouais.
ça doit pas être évident non plus. De voir avoir son propre style, mais aussi respecter la cohérence avec les anciens opus. Même si pour le coup, c'est vrai que c'est pas comme. Bon, je prends un exemple, je prends le premier qui me vient en tête, hein, Fast and Furious. Ouais. Où ils en sont au 8e film, mais c'est vrai que c'est, les films se suivent oui. et font partie de tous, enfin tous de la même du même arc narratif. Alors que c'est vrai que je pense que entre Jurassic Park et Jurassic Park 3 et ensuite Jurassic World et Jurassic World 3, c'est deux schémas. Pour moi, il y a deux sagas. Enfin, hein, ils font partie de la même oui. saga, mais il y a deux arcs narratifs différents. Oui, c'est clair. Et puis même Jurassic Park 3, est-ce que c'est vraiment une suite? Parce que enfin. Chronologiquement oui, mais enfin techniquement si, que... c'est, il apporte si, rien si, c'est une suite. Ok, ouais, d'accord. Bon. Après oui si non ouais. L'hiver étendu, je trouve que il y en a un petit quand même pour Jurassic Park. Ouais, si techniquement c'est une suite. Ok d'accord. Donc voilà, bon. Ça part toujours dans des monologues quand ça part de Jurassic World. Oh c'est cool, moi, je trouve ça super intéressant. Tu vois ce qu'on vit quand tu parles de Ty Sheridan? Alors là, moi, c'est toujours très bref parce que je suis le seul à me répondre parce que vous n'avez pas meilleur goût que moi. Donc, voilà. Moi, je fais pas de théorie, moi. Je fais pas de théorie. J'aurais eu machin, il aura machin. Non, j'ai juste, il est beau. Voilà. Ouais, mais t'as pas grandi avec Ian Malcolm, c'est pour ça. Les théories. Voilà, c'est ça. Non, voilà. Grant. Il connaît pas Ian Malcolm, même s'il a vu le premier. C'est... Bref, passons. Vous avez à dit dinosaure dans votre parc à dinosaures. Voilà, c'est ça. C'est bon, Jeff Gollum. Voilà, c'est ça. Jeff Gollum. Donc, oui, bah, on a compris, Morgan fait la pas deux fois. Jeff Gollum. Gollum. Passons oui, à la suite. Elle est précieuse, celle-là. Elle est très précieuse. Bon, Morgan, est-ce que tu. Merci. Est-ce que tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux me laisser passer à la suite ? on a. Vous pouvez pas me saquer. Mais bon. Donc, oh là là. Comme Disney a Disney. Racheté tout, et ben, il va y avoir 6 news Disney là, qui vont s'enchaîner quasiment. Oui. Donc, voilà, soyez prêts. Quoi ? Donc, on commence avec. La première bande annonce de Ralph 2.0, donc la suite des mondes de Ralph. Ah, j'adore le titre. T'adores le titre? Ouais, 2.0. Ouais, je trouve ça rigolo. Bah, c'est marrant. C'est dans le thème en plus. Ouais, ouais. Ça va. C'est pas très original, mais ça va. Les mondes de Ralph étaient sortis en décembre 2012 et celui-ci sortira. Excellent. Le 23 janvier 2019. C'est une suite tardive, hein, quand même. Hein. C'est vrai, mais bon, après ouais. Disney, les suites, c'est souvent. Enfin, même. C'est rare de faire des suites au cinéma, déjà, pour Disney. Mm. Et oui. Ensuite. Des bonnes suites, surtout. Oui, non, mais oui. Sans parler de bonnes suites, des suites au cinéma, je crois que. Et qui marchent aussi. Je ne sais même pas s'il y en a vraiment eu. Attends. Je me demande si Bernard et Bianca est sorti. Ça a bien non, marché, il n'est pas, hein. Pas sorti. Il n'est pas sorti en salle. Il est sorti. Ah, si, il est sorti en salle. Possible, ouais. Oui. Bambi 2, il est sorti en salle. Je l'ai vu en salle en plus. Grande douleur. Ouais. Ah, d'accord, ok. Parce que le Roi Lion 2, tout ça, c'est sorti ouais, en DVD. C'est hein. Souvent des directs ou DVD. Enfin, en VHS à l'époque. Ouais. Bon, alors, si on parle de délai entre une sortie, Bambi 2, c'est clair que là, non, on dépasse tous les records. Bref. Donc voilà, Ralph 2.0, cette fois-ci Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour s'aventurer dans le monde d'internet. Donc c'est Ralph cool. Et son ami Vanellope von Schwitz vont prendre tous les risques en s'aventurant dans l'étrange univers d'internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la bande de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l'aide aux habitants d'Internet, les netizens, afin de trouver leur chemin et notamment à Yes, l'algorithme principal, le cœur et l'âme du site créateur de tendance BuzzTube. Voilà, ça c'est le synopsis. On a eu le droit à une première bonne annonce avec pas mal de choses dedans. On va aller à Morgane du coup. Tu as vu la bande-annonce ? Bah non, okay. Tu vas vite pouvoir nexter. Donc, je ne l'ai pas vu, je ne la regarderai pas. Enfin, je ne regarde pas les bandes-annonces des Disney. Okay. Je vais les voir de toute manière. Donc, mais est-ce que voilà. Une suite
au monde de, au monde de ah, Ralph. Ah oui, totalement. J'avais adoré les mondes de Ralph. Je trouvais ça. Enfin, je me rappelle plus du tout. Je sais que j'ai adoré. Ça date quand même, en 2012. J'ai dormi depuis. Ouais. Non, je me souviens, j'avais trouvé ça drôle, bien rythmé, assez original et tout. Mmh. Même si je trouvais qu'au niveau des références, il n'y en avait peut-être pas assez. Je trouvais que le film était un peu timide à ce niveau-là, mais c'était pour une question de droit et je ne le savais pas à l'époque. Mmh. Ouais. Donc j'ose espérer qu'ils vont être un peu plus fournis en matière de droit et qu'ils vont pouvoir un peu mettre le paquet, enfin, un peu plus de matériel, de matériaux, oui. À ce niveau-là. Ok. Ouais. Mais je suis assez confiant. Ouais. Ok. Ouais. À noter que le long métrage va quand même marquer l'histoire du cinéma puisqu'il va accueillir pour la toute première fois une réunion de plusieurs princesses Disney au sein d'un même film. C'est John Lasseter qui l'avait révélé lors de la D23 en juillet 2017 que plusieurs actrices entendues dans des productions de Disney au fil des années reprendront leur rôle le temps d'une scène. J'ai aussi oublié de dire que Ralph 2.0 est réalisé par Rich Moore, qui était déjà metteur en scène du premier opus et de Zootopie. Il est épaulé par Phil Johnston, co-scénariste des mondes de Ralph et de Zootopie. Côté casting VF, François-Xavier de Maison et Dorothée Pousseau remplissent pour la voix de Ralph la casse en VF. C'est un peu bizarre, c'est Wreck-It Ralph en anglais. Et Vanellope von Schwitz, voilà. Donc, Eddie, toi, est-ce que ça t'enchante? Est-ce que la bande-annonce, tu l'as vue, toi? Oui, je l'ai même vue 2-3 fois, je crois. Enfin, j'ai... Ouais. Ah oui, ça me botte carrément, ouais. Mm-hmm. Ah, le premier était tellement cool et original en plus pour le coup. Oui. Ça donne clairement envie et là on sent qu'ils veulent pousser le concept encore plus loin quoi. Donc du coup ça donne bien envie. Enfin et la bande annonce est très drôle en plus. Enfin la fin avec la tablette, le lapin. Ouais, franchement. Ouais. Et la petite fille qui joue sur sa tablette, c'est Vaiana. C'est Vaiana, ouais. Mm. Vaiana petite. C'est pas Vaiana, mais la petite fille. Oui, voilà. C'est le modèle qui a été utilisé pour Vaiana. C'est même digne. L'humour, là, avec le lapin, c'est carrément digne d'un Zootopie, la fin de la première bande-annonce. Ah oui, avec, c'est plus proche d'un DreamWorks que d'un Disney, là. Ouais, ouais. C'est clair ce que. C'est un peu plus trash. Ouais, clairement. Et parce ça, que enfin, bon. J'ai trouvé ça super drôle. Je me suis dit, chez Disney? Sérieux? Ouais. Ouais, mais c'est bien, non, mais c'est très bien. Ça fait même un peu Pixar, hein, humour comme ça avec les enfants. voilà, non, c'était vraiment très drôle. Antoine, toi, est-ce que t'avais bien aimé le premier? Et est-ce que le premier, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais été le voir à l'époque au cinéma. Mm-hmm. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et justement, je m'étais dit, bah, il tarde quand même beaucoup à faire cette suite. Ouais. Enfin, je sais pas si le premier avait bien marché au cinéma, mais le concept à la base était quand même plutôt bien. Ouais. Et là, vraiment, je suis vraiment bien hypé. Surtout, plus de ça, ils peuvent beaucoup faire de références à Internet, tout ça, avec les différents délires qu'il y a pu avoir, par exemple, avec Twitter, tout ça. Mm. Donc ouais, ça peut être vraiment sympa, je pense, à faire avec Disney. Et... ouais, j'attends plutôt bien celui-là, quand même. Ok, ouais. Moi, j'ai... c'est très sympa. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le premier. Même si la bande-annonce m'a fait rire et je trouve que l'idée est vraiment cool, j'ai peur quand même d'un côté un peu pub, genre on voit une pub pour eBay, on peut sentir des petits dépassements sur ce. J'espère que ce sera pas trop poussé ce genre de choses, que ce sera juste des références citées rapidement et qu'on passera. Même qu'ils en fassent pas trop. Voilà, qu'on passe vite à autre chose, qu'on passe pas à un moment. Et regardez, il y a Amazon, on peut commander des. Enfin, ouais, voilà. Voilà. Ou qu'ils aient besoin d'un truc et le seul moyen de l'avoir, c'est de le commander sur Amazon, enfin un truc. Voilà. Dur, ouais, non. Ouais. C'est le genre de piège à éviter avec ce genre de. Voilà. Et ça fait un peu penser au monde des emojis, même si j'ai pas vu le film. Je l'ai pas vu non plus. Voilà, mais c'est un peu le même concept où la pub peut aller un peu trop loin et on n'a plus vraiment de film. Là, je pense qu'ils sont quand même assez intelligents. C'est les gens derrière Zootopie. Voilà, ils sont pas cons. Moi, s'il y a un piège à éviter, c'est celui-là. Mais je suis super hypé. Ouais, moi, c'est une suite à Zootopie qui me plairait bien. Hein.
Ouais. Surtout que l'univers, il y a tellement de choses qu'on bah, l'univers peut faire, s'y prête, qui peut, ouais, qui peut faire avec. C'est, ils peuvent le faire, la saga, ouais. Saga policière. Au lieu d'un Frozen 2, je suis désolé pour ceux oui. qui. Enfin, même si j'aime beaucoup la Reine des Neiges, c'est. Enfin, je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça vaut un 2? Voilà. donc voilà pour ce Ralph 2.0. 23 janvier 2019, donc dans un peu moins d'un an, on découvrira cette suite. Passons. C'est à marrant la d'ailleurs qu'ils le sortent au mois de janvier. Oui, c'est un peu étonnant. Souvent, ils le sortent décembre, hein, mais. Je pense qu'avec tout ce qui est. Le problème, voilà. C'est qu'ils rachètent tout, il faut qu'ils sortent tout, donc du coup, il faut revoir un peu les plannings habituels. C'est ça. Donc ensuite, Disney a dévoilé, c'est même pas la D23, mais ils ont déjà annoncé un planning jusqu'en 2023. Donc je vais vous faire, je vais vous éviter bien sûr enfin je vais pas tout vous citer parce que voilà. En plus il y a beaucoup de films inconnus ou qui sont, enfin ils ouais, sont juste à l'heure l'article. Programmés mais qui ont pas de nom. Ce qu'il faut retenir principalement. C'est que la sortie d'Avengers Infinity War a été avancée d'une semaine au 28 avril 2018 du coup. Il y a eu le report de Mulan qui était initialement prévu pour la fin d'année 2019 ça. Et qui sortira finalement en mars 2020. Donc c'est encore très loin. J'espère que ça augure pas de mauvaises choses parce que ouais, c'est clair que et en plus ils sont en tournage déjà en plus hein, il me semble. Je sais donc, plus s'ils étaient en tournage. Où il a commencé, où il va bientôt commencer, il me semble. Plus exactement, ouais. Mais donc voilà, on n'en sait pas plus. Avant pour le tournage, bon, c'est pas forcément grave, mais pendant le tournage. Ouais, c'est clair que ça on verra bien. On verra bien. Après, si retarde pour faire un truc un peu, enfin pour faire un truc de qualité, vraiment faites-le. Ne sortez pas un truc fait à la va-vite. Un nombre impressionnant de longs métrages Disney en prise de vue réelle, 24 au total. Alors, est-ce que ça prend en compte le fait, est-ce que ça prend en compte les ce qu'ils ont prévu de sortir sur leur plateforme. Parce que ça, sur leur plateforme, ils ont prévu ouais. de faire plein de nouvelles séries originales et des nouveaux films. Surtout. Je pense que ça compte ce qui va sortir sur la plateforme. Ce serait trop sûr. Énorme sinon, 2023. Non, 24 au total entre mars 2019 et février 2023. Bah oui, non, c'est pas possible. Parmi ces nombreux projets, on retrouvera certainement Il était une fois deux, suite du conte de fées new-yorkais de 2007, Jungle Cruise aussi, l'adaptation de la célèbre attraction américaine avec Dwayne Johnson sûrement. Neuf longs métrages Marvel encore non identifiés, parmi lesquels figureront vraisemblablement Les Gardiens de la Galaxie 3 et le film sur Black Widow. Black Panther 2. Hein. Ouais. Oui aussi, puisqu'il a tellement bien marché. Aucun créneau il est très, précis. Très bien d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore vu. Pas encore moi je l'ai rattrapé, j'ai beaucoup aimé. J'en entends que du bien et moi j'écoute la BO. Enfin la. Elle est très très bien. La soundtrack inspirée du film, pas la BO de Kendrick Mais Lamar. La bande originale est très bien. Ouais, j'ai aussi un peu entendu, mais je suis accro à la soundtrack de Kendrick Lamar, donc. Voilà. Eh ben j'irais même dire moi que je pense que le Black Panther c'est peut-être bien le meilleur Marvel depuis les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais. Carrément. Depuis. Ah ouais. Le premier ou le deuxième? Ah le premier. Je pense que j'ai préféré au deuxième Gardiens de la Galaxie. Ouais. D'accord. Ok. Bah, du coup c'était plus original donc. Oui. Oui c'est clair. Donc aucun créneau précis pour les futures productions Lucasfilm qui sont sûrement aussi comprises dans les Disney en prise de vue réelle. Le truc le plus intéressant pour moi personnellement, qui m'intéresse le plus, 6 longs métrages animés inconnus entre 2020 et 2022, 2 Disney et 4 Pixar. Pour le moment, le seul projet vaguement esquissé par les dirigeants du studio est un film Pixar, momentanément intitulé Suburban Fantasy World, centré sur un monde peuplé de dragons, d'elfes et de licornes dans un monde urbain. Voilà. Un monde fantastique mais avec des immeubles etc donc ça peut franchement être... ça, ouais, franchement mais c'est ça, Pixar ça... donc il faut s'attendre voilà. à tout c'est ça donc voilà énormément de projets pour 2019 on n'aura pas de Pixar ni de Disney animé donc tristesse. C'est
voilà. Ah si, La Reine des Neiges 2. Voilà. Voilà. 2020, on aura deux films Pixar. Ça, c'est vraiment bien. Et, oui, enfin, c'est bien ou pas bien. Hein. Le dernier exemple en date n'était pas bon. Hein. C'est vrai que la dernière fois qu'on a eu deux Pixar en même temps, c'était pas... Non. C'était pas génial, mais ouais, et en 2022 aussi deux Pixar. Du coup, en fait, ils font plus un film par an, ils font deux films, année, mais non, tous les deux ans. Connerie, cette année, on a eu deux mais Pixar y a eu, en même y a temps. Il y a eu Coco et qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Il y a eu Coco et Cars 3. Ouais, ouais, voilà. Donc, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça. Morgane, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention dans tout ce qui est sorti, ou est-ce que tu trouves que Disney prévoit trop de trucs? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je peux pas dire qu'ils prévoient trop de trucs. Ils sont, voilà, c'est une usine à gaz, hein, Disney, hein, on le savait. Donc, bah, je suis toujours très content que l'industrie marche. Ouais. Après, sur les films en eux-mêmes, bon, bah, non, j'attends rien de précis. Enfin, si, j'attends Les Indestructibles 2 qui sort là cette année. Ouais, ouais. Mais sinon... c'est tout quoi, voilà, Disney Pixar, ok, mais après les films Disney en eux-mêmes, bon bah moi c'est plutôt les films live qui vont débarquer, ça me saoule un peu tout ça, j'en ai un peu marre, je sature. Autant j'ai adoré Maléfique, mais je trouve que les films live là pour le coup on en a trop, vraiment, ouais. trop, c'est devenu systématique, ils veulent tout faire, je crois qu'ils veulent là ils sont ouais, même c'est en... ça, ils veulent tout refaire, ils sont même en train de pencher sur La Belle et le Clochard, bon, d'accord, oh, okay. Mais sachant ouais, faut... ouais. Sachant que Dumbo sort le 29 mars 2019 hein. Avec Tim Burton, oui. Donc, donc voilà. Antoine, oui, toi. Oui, mais c'est une période. Ça, ah. Ça va passer. Moi, non, pas trop. Les seuls films Disney que j'attends vraiment, bah, c'est Avengers. Ouais. Les deux prochains. Mmh. Et Indestructible. Sinon, non, il n'y a vraiment pas grand chose qui me tente. Ok, d'accord. Donc, Et Eddie, du coup ? Bah moi du coup les projets Disney animation et Pixar ça m'intéresse forcément. Ouais. Ça m'intrigue. Et en film live, du coup j'attends beaucoup Mulan. Ouais. Et je suis curieux quand même de voir Jungle Cruise. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Ça peut c'est, être, c'est... Enfin, l'attraction est... Bon, je ne l'ai pas fait, mais... Mm. Oui, je la connais, bon, ouais, je la connais par cœur, parce que j'ai trop regardé, je pense, sur YouTube. Et on n'a pas la chance de l'avoir en France, et en on ne l'aura ouais. jamais, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Mais du coup, ça peut être vraiment sympa s'ils partent dans cette idée-là. Après, il faudrait que Jungle Cruise, c'est que c'est une attraction où c'est situé dans les années 30. C'est ouais. ce qui fait le charme, en fait, de l'attraction. Après, j'espère qu'ils partiront pas dans un truc où ben, ils vont le faire version plus futuriste, quoi. Ouais. Et sinon, ouais. Si, j'attends, moi, le truc sur la maison hantée, mais fait par Del Toro. Alors, j'espère que ça fait partie de ces projets-là. Oui, ouais. Mais en tout cas, il y a un film sur la maison hantée qui se prépare. Mm-hmm. Ouais. Parce que le manoir hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy. Au secours, hein. quelle horreur ce film. C'était pas vraiment à la gloire de l'attraction. Et les attractions sont excellentes. Et j'aimerais bien. Alors là, après, j'imagine certainement trop, mais j'aimerais vraiment qu'ils reprennent en plus la trame de notre attraction parisienne. C'est la meilleure version. Donc. Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. J'ai juste oublié de dire que... En fait, j'allais dire que j'étais triste qu'on devait attendre 2020 pour avoir deux films Pixar, mais j'ai oublié de dire qu'en 2019, il y a Toy Story 4 qui est prévu. Mm-hmm. Donc voilà, 21 juin 2019. Voilà. Donc de toute façon... Est-ce que ce sera l'épisode de trop? Clairement, je pense. Oui, on attendra de voir. De toute façon, soit c'est l'épisode de trop parce qu'ils en font une suite du 3 et du coup ça n'a plus d'intérêt parce que le 3 a été ouais. une belle finalité, oui. ou alors ils relancent le truc et ils repartent vers autre chose. Quoi. Ce qui pourrait être une bonne idée, moi, je trouve. Je pense que oui. ce serait le plus souhaitable. Du ouais, coup. Ouais. Donc voilà, ça ce sera à voir, mais en tout cas, sachant que toutes les dates que je vous ai annoncées, il faut les prendre avec des pincettes parce que c'est des calendriers, ça bouge tout le temps, mais au moins, voilà, on a un planning jusqu'en 2023 déjà. Je voudrais pas être le chargé de planning de Disney, hein. Non, franchement, coordonner tout ça, bon, de toute façon, il n'y a pas qu'une seule personne, ça c'est clair, parce que sinon, je pense que tu t'arraches les cheveux vite fait. Mm-hmm. Mais voilà. Et puis, le fait que des chauves.
Et puis le fait que Disney va sortir sa plateforme de VOD sûrement en 2019. Ça, tout ne sortira pas au cinéma de toute façon. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose. Ils ont enlevé, ils ont déjà enlevé sur Netflix certains films Disney. Ils vont de toute façon tous les enlever. Donc voilà. Il me semble aussi que les séries vont dégager, je pense. Daredevil, tout ça, je sais pas si elles vont rester. Mais a priori, je pense que le contrat qu'ils ont signé, quand même, c'est une production quand même Netflix. Ouais, ouais. Donc ils sont un peu obligés de le garder. Mais tous les films animés, que ce soit animés ou les Marvel qui sont pas produits par Netflix. Thor, tout ça, ouais, ils sont sur Netflix. Donc il y a moyen qu'ils se fassent dégager. Non, mais ça va dégager. Ah, mais ça, c'est fini. Hein, là, il n'y en aura plus. Hein. C'est clair. Pour le moment, Netflix a les droits de les diffuser pour jusqu'à un certain temps, mais ils vont partir. Et encore, on compte pas les autres films 20th Century Fox ou des choses comme qui risquent aussi de dégager. Donc voilà. Donc oui, c'est comme ça. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Et surtout, est-ce que ça sortira en France? On sait pas encore non plus. Je pense, mais le temps que Netflix est arrivé en France, on a eu quand même 5 ans, il me semble, entre la création... Je pense que Disney sera plus rapide. Puisqu'ils sont quand même implantés mondialement. Est-ce qu'elle va marcher aussi, cette application? Ça, ce sera à voir. Parce que le problème, c'est que... À mon avis, tout dépendra du prix. Parce que si chaque studio va ouvrir aussi sa boîte de streaming... Les gens vont faire un choix, donc... Ouais. Mais il faut pouvoir... là, maintenant qu'ils ont la Fox, ils peuvent. Ouais. Ouais, parce qu'ils ont c'est pas totalement vendu, la Fox. Oui, ils ont encore des contrats, tout ça, à signer. Oui, c'est qu'une partie, mais... voilà. Passons à la suite, du coup, toujours Disney, hein, bien sûr, parce que c'est un podcast qui n'est pas sponsorisé par Disney, mais on voudrait bien leur argent. Ils ne nous ont pas acheté encore. Non, pas encore. Non, mais ils peuvent me payer, ce serait bien. Oui, s'ils veulent. Moi, je veux bien un petit de l'argent de poche par Disney, je pense que ça peut être un gros, gros billet pour nous. Parce que finalement... 3 centimes pour eux, c'est 3 millions, quoi. Je veux bien qu'ils me donnent un petit 1 euro. Bien sûr, nous plaisantons, nous ne vendrons jamais notre intégrité à Disney, quand même. Donc voilà. Ah, moi aussi, ils veulent me donner de l'argent, ils peuvent. Hein. Dis pas ça à l'antenne. Après, tu vas lancer des rumeurs. Ça va pas être très bon, ça. Passons à la suite avec la première bande-annonce de Mary Poppins, le retour de Mary Poppins, il me semble, le nom en Mary français. Poppins Returns. Voilà, Mary c'est ça. Poppins Return, she's back. And she's kicking ass. With the terrific umbrella. Quel magnifique accent. Supercalifragilisticexpialidocious. c'est bon, oui, Morgane. Morgane. Puis j'adore Mary Poppins. J'adore les chansons. Je déteste le film, mais j'adore les chansons. Tu dis ça maintenant, quoi. Mais il est pas sortable. Je suis plutôt l'apprenti sorcière et Peter Elliot que Mary Poppins. Désolé. Au secours. L'apprenti sorcière. Je n'ai rien entendu. Bref. Je ne connais pas cette personne. Faut arrêter ce que je pense. Donc, film réalisé par Rob Marshall. J'attends pas, je peux pas. C'est pas le gars qui a fait Pierre des Caraïbes 4? Si. Mais il a fait. À sa décharge, il a fait le magnifique. Il a fait Chicago. Oui, il a fait Chicago, mais... C'est celui qui a commis Pierre des Caraïbes 4. Oui, qui a commis. Ouais. Et celui qui a commis Nine. Oui, surtout l'épouvantable Nine. Into the Woods qui faisait vraiment pas. Mon Dieu. Je crois que c'est le pire, ça. Oh là là. Qui rendait vraiment pas hommage au travail original de Into the Woods, la comédie musicale. Oh qui mon est, Dieu. Qui, ouais, franchement, le film est absolument atroce. Donc voilà. Malgré tout, il réalise ce film. On a au casting Emily Blunt, qui reprend le rôle de Julie Andrews. Je t'aime, Emily. Je t'aime, épouse-moi. J'adore Emily. Morgane, tais-toi. Mais j'adore cette actrice-là, franchement. Oui. Ah non, mais je l'adore, vraiment. C'est un cri du cœur pour elle. Quand on la voit dans le Death Labyrinth Prada, où elle est
très très peste et tout, puis dans Sicario là, elle est magnifique. Dans Edge of Tomorrow. Oh là là, mon Dieu. Edge of Tomorrow aussi, elle est géniale. J'aime pas trop le film, mais c'est tellement une actrice complète, je l'adore. Ok. Donc. Ah, ça va, c'est pertinent. Oui, mais je finis les faits. On a un programme après, à tenir, Morgane. Je finis les faits et après, on passe à tes impressions. Donc, le film se passe pendant la Grande Dépression qui a suivi la crise de 1929. La Grande Dépression ? Oui. Oui. La oui. Dépression. Oui. Ah ouais, c'est pas la répression. Non, la Grande Dépression. La Grande Dépression. Non, ça peut se dire. Ah d'accord. Ok. Excuse-nous d'avoir de la culture, hein, Morgane. Donc Jane, Emily Mortimer et Michael Banks, Ben Whishaw, donc c'est les interprètes hein, que j'ai cités, sont désormais adultes. Oui, c'est ça. Oui, c'est les enfants du premier. Voilà. Oui. Bien sûr, c'est pas les mêmes acteurs. Ils sont plus adultes. Ils sont seniors là. ils sont séniles. Je crois qu'il y en a un qui est mort. Hein, non. Le petit, il est mort. Oui. Le petit qui joue le petit roux là. Le petit. Oui. Oh, mince. Il est mort. Je suis quasiment sûr, ou alors je confonds avec un autre, mais je crois qu'il est mort. Punaise, ok, d'accord. Parce que Dick Van Dyke, il est pas mort. Non, oui, alors qu'il a bientôt 80, enfin même plus que 80, il me semble. Hein, donc... Mais je parle, enfin je touche du bois, je sais pas, mais il me semble que, je suis pas sûr. Okay. C'est pas Monsieur Banks plutôt qui est décédé, l'acteur ? Tout à fait. Bah oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est peut-être plus ça, oui, quand même. Hein. Le père, pas l'enfant. Oui. Non, je crois que c'est l'enfant, oui, le père. Mais c'est bon, ben, bref, dans tous les cas, tout est possible de toute façon. C'est pas un podcast nécro non plus. Hein, là. Voilà. Tout ce qui compte, c'est que Julie Andrews soit en vie. non, quand même pas. Donc. Mais elle va bientôt mourir. On va tous mourir, voilà, comme ça tout le monde est content. si je finis le truc. Je sais pas si tu vas arriver à la faire, on peut le faire. Ton lancement, là. Les deux enfants sont désormais adultes. Le second vient de perdre un proche, justement, quand on parle de la mort. Lorsque son ancienne nounou fait son retour à Cherry Tree Lane pour remettre un peu de magie dans sa vie, elle pourra pour cela compter sur l'aide d'un ramoneur incarné par Lin-Manuel Miranda. Je vous raconterai tout mon amour pour cet acteur plus tard. Coqueluche musicale du moment, puisqu'il est auteur des chansons de Vaiana, mais pas seulement, que l'on imagine déjà comme le fils spirituel de Bert, joué par Dick Van Dyke dans le film de Robert Stevenson. Voilà, donc première bande-annonce que moi j'ai trouvé superbe visuellement, vraiment qui rend hommage au film de Robert Stevenson, mais qui a un petit peu sa propre patte, un peu marshallesque, c'est vrai, mais moi j'ai pour le meilleur et pour le voilà, pire, c'est ouais. Ça, c'est ça. Il a quand même fait Chicago, donc c'est pour toujours dans mon cœur. J'oublie les autres, j'oublie les autres et je pense à Chicago. Voilà. Mémoire d'une geisha que j'ai pas vue. Il est très beau aussi, que j'ai pas vu, mais qui apparemment. Non, mais très il est très très beau. Voilà, donc ouais, il a pas fait que des films horribles, même si. Après Chicago, il a fait que des films horribles. Moi, je suis très impatient. Emily Blunt, héritière parfaite de Julie Andrews, je trouve. Je pense qu'elle va pouvoir reprendre parfaitement le rôle. Au niveau du chant, je ne l'ai jamais entendu chanter. Dans Into the Woods, c'est vrai. Ouh là là, j'oublie qu'elle était dedans. Voilà, c'est vrai que Julie Andrews, c'était quand même vocalement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'était une actrice chanteuse professionnelle aussi, hein, qui avait fait beaucoup de Broadway, et donc du coup qui malheureusement lors d'une intervention chirurgicale a perdu beaucoup de ses cordes vocales plus tard, donc c'est pour ça que on la voit un peu moins souvent, mais voilà, elle avait un registre vocal vraiment très impressionnant. Et moi je pense que Emily Blunt fera le job. Pourquoi je suis excité pour ce film ? Principalement pour Lin-Manuel Miranda, qui est quelqu'un qui n'est pas très connu en France, mais qui est énormément connu aux États-Unis, qui a tout défoncé sur Broadway avec sa comédie musicale Hamilton, qui est une comédie musicale hip-hop sur un des fondateurs de l'Amérique.
et qui a remporté tous les prix, qui a remporté, enfin qui a rencontré Barack Obama, qui est pote avec Barack Obama carrément. Bon, il est plus trop pote avec Donald Trump parce que le principe de sa comédie musicale, c'était qu'il mette, enfin qui avait des interprètes noirs ou hispaniques qui prenaient des rôles qui étaient normalement, enfin historiquement des blancs. Donc voilà, mais c'était enfin voilà, il y avait tout et c'est génial. Donc le fait qu'il soit dedans, qu'il s'occupe aussi de certaines chansons, moi je suis super content. Et si vous n'avez pas encore écouté Hamilton, et tentez parce que c'est vraiment génial. Voilà. Il faut quand même noter une chose, c'est que cette suite, c'est pas vraiment qu'une suite pour le fric. Oui. Puisque non. C'est aussi l'adaptation du deuxième tome, Du deuxième bouquin. Je ne sais plus l'auteur, je ne me souviens plus. Pamela Lyndon Travers. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un truc que Disney a pondu, un scénario. Voilà, c'est une adaptation. Non, c'est la suite qu'elle avait écrite un an après, en fait, le premier, en 35. Ouais. Voilà. Pour finir aussi, y a dans la bande-annonce, on voit pas encore les personnages interprétés par Colin Firth, Meryl Streep ou Angela Lansbury. Voilà. Mais on en saura plus sûrement dans une prochaine bande-annonce. De toute façon, le film sortira le 19 décembre 2018. Voilà. Film de Noël. Voilà, c'est ça, exactement. Mm-hmm. À la place d'un Star Wars, on a un Mary Poppins. donc voilà. Eddie, est-ce que cette première annonce t'enchante ? Est-ce que tu es content de voir ce retour ? Est-ce que les acteurs t'intéressent ? Eh ben, en fait, tout m'enchante. Et j'en suis le premier surpris parce que moi, j'ai des grosses réserves sur Rob Marshall, comme beaucoup de monde. Et du coup, le problème, c'est que ça me rend assez impatient et j'ai peur d'être très déçu, en fait. C'est ça le souci, parce que je trouve que tout fonctionne, en fait, sauf le réalisateur. Ouais, c'est clair que... Mais visuellement, là, la bande-annonce... Oui, c'est très joli. Moi, je trouve que c'est très joli. Enfin, voilà. Mais c'est clair que c'est qu'une bande-annonce. Et puis Emily Blunt, dans le peu de temps qu'on la voit dans la bande-annonce, elle donne le ton, quoi. Et on sent que ça y est, c'est bon, quoi. Elle a le charisme, vraiment, pour porter le rôle, elle je trouve. Elle va faire Mary Poppins. Ce sera, je pense, l'héritière de Julianne Roos. Ouais. Oui. Morgane, vas-y. C'est sûr, Ah, mais Emily Blunt, elle pourrait jouer Winnie l'ourson, que je voudrais voir ça. Mais franchement, bon, Rob Marshall, je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Il a fait trop de mal à mes yeux et à mon cœur, à mes émotions. C'est parmi Into the Wood ni de Nine. En tout cas, Chicago, c'était très bien, mais bon, ça commence à dater. C'est vrai. Mais vraiment, la bande-annonce, je l'ai trouvée magnifique. Je trouvais qu'il y a vraiment... Il y a une ambiance, déjà. Bah, c'était enchanteur, quoi. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez magique, d'assez féerique. Alors, comme je l'ai dit, j'aime pas vraiment le film original, je trouve interminable, mais vraiment interminable. Je l'ai vu un peu trop tard, hein. Je l'ai vu il y a 5-6 mois pour la première fois de ma vie. C'est dire si c'est récent. Ça m'emporte, vraiment. Ouais. Et pourtant, j'ai quand même du mal. Je te rejoindrai sur une chose, c'est la séquence animée qui est peut-être un petit peu trop longue, à mon goût. Mais moi, je le trouve quand même super enchanteur, le film, et que je m'ennuie pas du tout devant. Même si pendant les séquences animées, je trouve qu'elles durent un petit peu trop longtemps. Voilà. Bah, comme je l'ai dit, je suis plutôt l'apprenti sorcière avec lequel j'ai grandi, et Peter et Elliot, qui repose un peu sur le même truc, le mélange entre réel et animation. Voilà, ça, c'est vraiment personnel. Après, sur cette bande-annonce, franchement, il y a quelque chose d'assez magique qui m'a emporté. Je sais pas, il y a une ambiance, il y a un ton. Et Emily Blunt, quand on la voit devant le miroir à la fin, je suis comme ça, mais je la regarde, mais elle me ferait changer de bord. Franchement, elle est magnifique. J'adore cette actrice. Ah non, mais elle me conquit, elle me séduit. Véritablement, c'est une actrice que je trouve absolument géniale. Elle peut tout faire. Quand on la voit chez Denise Villeneuve, elle est implacable, elle est magnifique, profonde. Là, elle a l'air d'avoir un petit grain de folie, un petit charme et tout. Vous l'avez dit, la digne héritière de Mary Poppins. Enfin, quand on m'a dit Emily Blunt jouera Mary Poppins, je me suis dit, il peut pas en être autrement. C'est vrai que je voyais personne d'autre qu'elle. Elle a ce truc qui fait qu'elle a le grain de folie nécessaire, elle a le
elle a le charme, elle a tout. C'est, je pense que le film devra beaucoup à sa prestation, à son charisme naturel qui fait que elle peut nous emporter aussi bien dans un désert bourré de ripoules avec Benicio del Toro que dans un Londres où il y a des pingouins animés qui dansent. Là, ouais, tout ce qu'elle veut. Ok, Antoine, toi. Alors moi, je vais être honnête, je l'ai pas vu parce que j'ai jamais été fan en fait de Mary Poppins. Tu as vu le premier film ? Ouf, même pas, c'est dire. Ah ok. Donc je suis vraiment pas attaché à la saga ni même à l'univers, donc non. Okay. Ce sera sans moi, je pense. Il y a pas vraiment d'univers. Hein. C'est bah, ouais. Non, mais c'est peut-être le genre, peut-être qu'il. Ouais, voilà. Je peux comprendre. Hein. Oui, après c'est de la rêverie quoi. C'est pas vraiment. Après, je pense que c'est peut-être le genre de film à regarder quand t'es gosse. Peut-être plus. Je pense aussi. Ouais. Moi, je l'ai pas vu quand j'étais gosse. Tu l'as pas vu. Oui, moi non plus. Je l'ai découvert il y a 3 ans. Ah ouais, non. Mais c'est juste moi qui n'ai pas intéressé. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter en fait aux chansons et aux côtés. C'est Disney, machin. En fait, parce que c'est le message. Enfin. Le sous-texte est vachement c'est super triste en fait. Mm-hmm. C'est quand même sur un c'est quand même sur un père qui délaisse ses enfants quoi, c'est ouais. Et qui mais il y a toujours ça chez Disney. Oui, mais c'est là je trouve que c'est pas traité de la même manière et quand tu vois en plus après du coup le film sur le film Mary Poppins comment que c'était oui. Dans l'ombre de Marie. Dans l'ombre de Marie. Qui est excellent aussi. Et bah du coup, ça fait encore plus écho. Et c'est vrai que, enfin, tu sens vraiment que l'auteur, ça a été un projet douloureux cette adaptation. Donc, enfin, après voilà, c'est peut-être parce que je sais tout ça aussi que j'apprécie vraiment le film. Mais c'est vrai que moi, je le trouve vraiment. Il se suffit même à lui-même. Hein, c'est. Oui, une suite n'était pas forcément utile, mais c'est vrai que de se dire que bon que. Non, mais s'ils doivent faire une suite, ils adaptent le deuxième, enfin la suite du roman. C'est cool. Le problème, c'est que je pense que ça sort pas en bon moment, quoi. Je sais pas si ça va intéresser les gens d'aller voir une suite de Mary Poppins. Mais après, c'est un film qui a tellement marqué. Mm-hmm. C'est intergénérationnel, oui. Voilà, qui a marqué tellement de monde. Non, puis il y en a, ils iront, c'est l'accroche Disney, c'est le Disney mois de décembre. Le mois de décembre, tout ça. Ils vont y aller, c'est sûr. C'est fédérateur Disney. Mm-hmm. Ah ben moi j'irai, oui, ça c'est clair. Oui, c'est clair. Mm-hmm. Donc voilà. Passons à la suite, avec toujours du Disney, avec une adaptation live cette fois-ci. L'adaptation live d'Aladdin. Qui sera réalisé par Guy Ritchie et qui est bouclé avec Kev Adams. Pardon. Clap de fin, je crois. Ça y est, c'est dans la boîte. Ouais, il me semble qu'ils ont fini le tournage. Donc voilà, et qui verra Will Smith prêter sa voix au génie. Choix audacieux. Will Smith et génie dans la même phrase. Mais quel oxymore. Oxymore. On parle du mec qui a accepté de jouer dans Suicide. On parle du mec qui a accepté de jouer dans Suicide Squad. Faut être sacrément con. Oui. Voilà. Oui, c'est le J'ai pas la réaction d'Antoine. J'aimerais bien savoir ce qu'il pense un petit peu de ça parce que comme il est fan de Suicide Squad, je connais pas ce film. Ouais. D'accord, très bien. Non, on n'est pas. Je suis rassuré. Voilà, c'est très bien. Donc. Ça rejoint ce que je disais sur les. Mais les films live, ils n'arrêtent pas. Ils vont tous les faire, hein, vraiment. Oui. Donc, le film sort en France le 22 mai 2019. On retrouve à la musique Alan Menken, bien sûr, qui s'était occupé. De la musique de l'original, mais du coup, la news c'est que les compositeurs de La La Land écriront des morceaux originaux pour la version live d'Aladdin. Donc, les compositeurs qui sont Benj Pasek et Justin Paul, qui étaient les compositeurs de La La Land et The Greatest Showman, dont Morgan a dit tout le bien qu'il pensait dans un dernier podcast. Il a dit que les musiques étaient très bien, donc ça rajoute au point que c'est plutôt une bonne idée d'utiliser ces deux compositeurs pour faire des chansons originales. Après. Moi, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de chansons originales. Les chansons du film de base sont déjà très bien comme elles sont. Mais je te rappelle qu'on disait ça pour La Belle et la Bête.
Je sais, mais après, les chansons. Finalement, qui... les ajouts dans le film, eh ben, ils sont très bons. Oui, c'est clair. Les ajouts sont bien, mais le film a un problème. oui, c'est vrai. Mais la après, chanson de la bête dans la version ouais. de 2017, elle a vraiment toute son importance, je trouve, finalement. Mm-hmm. C'est limite si ça manquerait pas, finalement, au dessin animé, presque. Oui, c'est vrai. Après, moi, le souci avec ça, c'est que. Alors, bien sûr, je fais toujours chier parce que je suis le côté comédie musicale aussi, les adaptations comédie musicale. Il y a eu une adaptation comédie musicale d'Aladdin. Ah oui. Et il y a eu beaucoup oui, de rajouts. C'est vrai que La Belle et la Bête venait de la comédie musicale, je crois, en plus. Aussi. Et donc, il y a déjà eu pas mal de rajouts dans la comédie musicale Aladdin, qui est très bien d'ailleurs, hein, franchement, qui est une très bonne J'en adaptation. J'en ai pas trop entendu parler, moi, celle-là. Ouais, c'est celle dont on parle un peu le moins, mais qui est franchement une des meilleures avec La Belle et la Bête et le Roi Lion. Le Roi Lion, oui, c'est... Oui, oui, voilà. Moi, j'en ai un à maison qui l'a vu trois fois, donc. ouais, non, franchement. Pas à Broadway. C'est... Oui, ça devait être en Angleterre, j'imagine. Non, en France. Non, même pas Ogador. En France. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient passés en France. Donc, voilà. Morgan, toi qui aime beaucoup La La Land et qui a aimé les chansons de Greatest Showman, est-ce que le fait qu'il y ait des chansons supplémentaires à Aladdin. Version live, t'intéresse surtout de ces deux personnages. Alors, moi, oui, pour moi, c'est une bonne idée dans la mesure où je trouve que les musiques de La La Land, on va pas en parler, voilà. Je les écoute en boucle, et les musiques de The Greatest Showman avec toutes les réserves du monde que j'ai sur ce film-là, s'il y a bien quelque chose que je sauverais du film, c'est la BO, c'est les musiques. Donc en soi, oui, je suis quand même, et puis je suis toujours ouvert à des morceaux inédits par les compositeurs. Donc quand je vois ce qu'ils ont fait sur The Greatest Showman, parce qu'il me semble que c'était pas adapté d'un truc de Broadway, c'était non, original. Non, c'était il me semble que c'est quelque chose d'original, ouais. Ouais, donc du coup, si même les musiques sont originales, donc si c'est des musiques qui sont du même niveau, bah alors là, il n'y a aucun problème. Quoi. Et puis bon, si ça peut permettre au projet de ne pas avoir ce côté copier-coller, comme pouvait l'avoir, je trouve. Même fais si... gaffe à ce que tu dis. Ouais, parce que La Belle et la Bête. Oui, non, mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Non, mais non, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu, mais les extraits que j'ai vus. Enfin, parce que forcément, j'ai pas vu le Disney original de La Belle et la Bête. On parle de ça. Mais forcément, même sans l'avoir vu, non, mais, en voyant le film, je reconnaissais. C'est du décalque. Et donc, c'est bien aussi qu'une réadaptation. Enfin, pas une adaptation, on va dire, live, se démarque un petit peu et fasse pas que du copier-coller. Donc si, par le biais de la musique, on peut proposer quelque chose d'un petit peu différent tout en respectant le support d'origine, mais moi, ça me convient. Ouais, ok. Antoine, toi, déjà, est-ce que le projet t'intéresse ? Antoine, on parle que de Disney. Ouais, et franchement, on parle que de Disney, c'est... Ouais. Je suis désolé, hein, c'est vraiment... Il y a eu énormément de trucs à Disney. Donc, t'as bien choisi ton premier podcast, hein. Ouais, franchement, ouais. Alors, je vais le dire honnêtement aussi, je n'aime pas les comédies musicales et je suis pas fan d'Aladdin, tout ça. Mais il y a Guy Ritchie, donc ouais, pourquoi pas. Franchement, ouais, et ça me tente bien. La La Land, tu l'as vu ? J'ai regardé 10 minutes, je peux pas. D'accord, ok. Je peux vraiment pas. Avec la scène de C'était Toroute, toi. Je pouvais pas. Je pouvais pas. Et quand j'ai vu Emma Stone commencer à chanter dans son appartement, j'ai fait non, c'est bon. Bon, okay. Je peux pas. Les on a trouvé pire que on va repartir sur Batman. On va repartir sur Batman versus Superman. Oui, vraiment, bah voilà. Je préfère regarder ça. Mais non, comédie musicale, j'arrive pas du tout. Ouais, non, mais je comprends totalement. Mais je peux comprendre. Il y en a plein qui aiment pas. Hein, c'est faut adhérer. Ouais, oui, c'est vraiment un style. T'adhères ou t'adhères pas. Et c'est clair que. Ok, d'accord. Eddie, toi, la même question du coup. Du coup, moi, je m'en fous un peu en fait. Oui, parce que toi, t'aimes pas vraiment le dessin animé. Je suis animé, pas fan d'Aladin. Ouais. Donc, du coup. Même les chansons. Parce que franchement, les chansons. Il y a que la chanson du génie. Ouais. Ton Dans meilleur ami. De Vénard, dégagez de base. Ah non, Prince Ali, elle ouais, est géniale. Ouais, est... ouais, et Prince Ali, ouais. Voilà. Et c'est tout. Non, et en fait, c'est la chanson génie, du Jaffe. Aladin. Ouais, mais ça, c'est Robin Williams. Bah, parce que c'est Robin Williams en VO, même et puis parce que c'est Richard Darbois, quoi. Et donc, du coup, c'est vraiment pas le Disney que j'attends. Donc, après, j'espère une bonne surprise. Parce après, que y a Guy Ritchie, forcément. Mais il y a Guy Ritchie, oui. Donc, ça peut être bien.
Ouais, ok. Passons à la suite. On passe à autre chose avant de repasser sur du Disney. Un truc Encore. vraiment. Voilà. Ouais, Morgane. Voilà, parfait. Je fais bien, Ouais, hein? non, tu le fais très bien. Il manque un orchestre derrière toi. Donc, Schwarzenegger a annoncé. Sur le site, ça j'ai vraiment été étonné sur le site qui s'appelle The Arnold Fans. C'est Bah. le site vraiment spécifique pour les fans d'Arnold, voilà. Il a annoncé que le sixième opus de la saga Terminator débuterait, le tournage débuterait au mois de juin 2018, du coup, au mois ce mois de juin, film dans lequel il retrouvera son personnage encore une sixième fois, même si dans le 4 il n'était pas vraiment, du T-800. Il a dit on commence le tournage de Terminator 6 au mois de juin, tournage qui durera jusqu'à la mi-octobre, et je joue dedans. Voilà. J'ai hâte d'être de retour en T-800, ça va être génial avec Tim Miller à la réalisation. Et James Cameron qui supervise l'ensemble. Alors, Terminator Tim Miller, sera. c'est... Ouais, voilà. J'ai pas fini les annonces, hein. Terminator 6 sera le premier film d'une nouvelle trilogie et une suite directe de Terminator Oh 2. là 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 là. Ça va plaire à Morgan. C'est une suite directe à Terminator 2 qui ignore le 3, Renaissance et Oh là là Genesis. là là. Bah non. Non, je Et crois pas. le long métrage qui verra le retour de Linda Hamilton, alias Sarah Connor, pour la je sais pas combienième fois, sera réalisé par Tim Miller et il sortira le 31 juillet 2019. Ouais, c'est formidable parce que j'ai jamais vu Terminator, mais je Ouais. sais parfaitement où m'arrêter en fait quand je l'ai découvert. Mais Mais c'est voilà, surtout tu que... Mais non, t'arrêtes au mais 2, putain, mais au 3 on peut pas oublier max. Terminator 3, bordel de Non, merde, le il est 3 bien est le 3. génial. Le 3 est génial. Il est La fin. justement, il est... Oui, c'est ce que je dis, il est très bien. La fin Mais du 3, elle cette est fin. cohérente. Mais. Elle est très belle, elle est très belle, voilà, Tu c'est ça. verras jamais ça dans un film qui sort maintenant, une fin comme ça. Exactement. Ah, mais on est d'accord. Il est Oui, bien le petit, hein. mais elle est incroyable cette scène de fin. Voilà. Oui, et pour moi, alors après le film a moins de maîtrise qu'un Cameron, Oui, c'est c'est vrai. indéniable, mais je préfère le 3 au 1 parce que je trouve que le 1 Non, affreusement mal vieilli, non, mon Dieu. non, C'est pas un non, argument en non. soi, mais je trouve Le que le 1 en premier a pris dans garde la gueule. son ambiance. Il a su garder son ambiance. Le 1 est meilleur que le 2. Voilà. Non, non, J'ai dit ah. ça. Et non, mais je le défends. Non. Je le Ah bah oui, défendrai jusqu'à la ah mort. ouais, après tu penses ce que tu veux, Ah mais... oui, non, mais bien sûr. Mais après, j'adore le 2. Hein, mais pour moi, le 1 est tellement plus. Enfin, pas plus puissant parce qu'ils sont aussi très bons. Mais enfin, le 2 est très bon aussi. Et même le 3, qui est vraiment pas si mal par rapport à ce qui est sorti après. Mais le 3, il a un côté un peu redit du 2 au niveau de la Ouais, méchante et tout. Enfin, ouais, ouais. même, je trouvais que l'idée d'une méchante Elle qui est était badass. quand même plutôt pas mal, elle est très badass. Et la fin du 3, je trouve qu'elle est quand même assez... C'est quoi ce bruit là? La fin du 3, elle est... Le mec entend des voix. C'est Skynet. La fin du 3, pour moi, est d'un pessimisme assez osé, je trouve. Et comme l'a dit Antoine, on n'aurait pas ça aujourd'hui, quoi. Et c'est quand même dommage de balayer un peu ça. Parce que finalement, je peux pas me réjouir de ça. Parce que Bah sinon, non. je serais pas honnête. Non, je peux pas, non, mais je peux pas me réjouir Oui, qu'il mais bah balaye oui. Ouais. le 3 et le 4. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai reproché à Alien Et Covenant. Donc, si même je le re... 5, hein. Même le 5, bon, Le bah, 5 c'est vrai que... n'existe pas, Bon, on est tous d'accord, je pense. le 5, il s'en chargeait très bien, Ouais. hein, déjà. Le Il 5, même si c'était pas ses Enfin, intentions. franchement, Mais de toute façon, il détruisait Terminator. déjà le 2. Donc. Oui. Mais Terminator, ça a toujours été un bordel, le niveau timeline. Faut être honnête. Non, Terminator, c'est un bordel. je. Même le 2, parce que le 2, c'est une suite remake, le 2, hein, Ouais. quand même. Hein. C'est un peu un reboot, hein, le 2. Donc, finalement, bon, je peux pas trop me réjouir de ça. Néanmoins, il y a quand même la petite part en moi. La petite étincelle de revoir Linda Hamilton en Sarah Connor et de me dire, bon, vu que ça se passe après le 2, allez, même j'aime le 3, bon, dans ma tête, je peux pas l'oublier, mais passons. Oui, non, mais. C'est comme le Halloween avec Jamie Lee Curtis là qui va arriver, c'est la suite du 1, il va pas reprendre le compte du. Et tant mieux Oui, d'ailleurs, parce que tant mieux. le Halloween 2 est une hérésie totale, mais bon, je suis quand même, je me dis, allez, je vais revoir Linda Hamilton, rien que pour ça vaut le coup, parce que Est-ce que tu as envie de voir si Arnold ça peut nous Schwarzenegger faire. à 70 balais faire le Terminator pour un Oui, parce que je veux T-800? revoir Linda Hamilton pour montrer qui est le boss, parce que désolé, mais la Sarah Connor totalement fadasse
d'Emilia Clarke dans le 5, c'est pas possible, je ne peux pas rester sur une Sarah Connor comme ça. Donc, je veux revoir Linda Hamilton. Voilà, donc je veux revoir Linda Hamilton, même en déambulateur, je m'en fous, mais elle revient. Non, mais ça va être... non, mais voilà, après, c'est vrai que Schwarzenegger, non, mais attends, c'était l'élément un peu après, négatif du 5. Le souci, c'est que tu vas me reprocher, moi, d'attendre Indiana Jones 5 avec un Harrison Ford qui est tout vieux, et tu fais pas la même chose, enfin pour Linda Hamilton et surtout pour Arnold Schwarzenegger qui... Ah mais je suis un gros fanboy et j'assume totalement. D'accord. Non mais là-dessus, il y a aucune objectivité. Linda Hamilton, Sarah Connor, je la revois, je vais être content. C'est rien que pour ça. Je veux la revoir. Voilà, elle me manque. Ouais. Mais même si tout ça c'est très bien, il y a quand même pour moi le plus gros problème, Tim Miller. Deadpool. Hein. On aura un Terminator qui fait des blagues. Bah, il en faisait déjà des très mauvaises dans le 5. Oui, mais des plus sub. Ouais, c'est vrai que le 5 c'était forcé. Oh là là, mon Dieu. Le 5 était horrible. Là. Ouais. Toi, Antoine, du coup, déjà, enfin, moi je connais pas ton avis sur Deadpool et sur la réalisation de Tim Miller, surtout sur Deadpool. Du coup, le fait que. Il n'y avait pas de réalisation, c'est pas compliqué. Que Tim Miller reprenne cette saga, est-ce que ça t'intéresse, entre guillemets? J'adore Terminator, enfin, ça fait partie de mon enfance tout ça, mais rien que l'idée de balayer le 3 et 4, ça me fait déjà mal. Déjà Neil Blomkamp pour Alien, ça me faisait déjà pas mal mal au cœur. Mais là je vois pas l'intérêt, même s'il y a Cameron derrière, il y a le retour d'Arnold, il y a tout ça, ouais. Je vois pas l'intérêt. Mais après Miller, j'avais vu à l'époque, c'est quand même un mec qui bossait dans les cinématiques de jeux vidéo à l'époque. Ça se ressent dans Deadpool, enfin les effets spéciaux, c'est vrai, tout ça, c'est ça fait fort c'est très cinématique de jeux vidéo. C'est que la scène où Deadpool il saute à travers le pont pour rejoindre les voitures, ça se voit. Ouais. Rien que cette scène, je trouve que ça illustre bien. Mais pourquoi pas. Mais sinon non, je suis pas plus hypé que ça. Même s'il y a Linda Hamilton, ça c'est vrai, mais non. Ok, d'accord. Moi, faut la laisser tranquille cette saga. ouais. Surtout. Enfin, surtout James Cameron qui nous fait des. Oui, des promesses. Qui nous fait des couteaux dans le dos. On en a tellement qu'on n'en peut plus, quoi. Le 5, oui, c'est la vision que j'avais. C'est vraiment le Terminator 3 que je voulais. C'est la suite parfaite. Et on voit bien qu'il veut l'effacer en étant de nouveau derrière. Enfin, bref. Voilà. Eddie, de toute façon, je pense que tu t'en fous complètement puisque tu n'as vu aucun Terminator. Et. Je pense que ça vaut pas la peine que je te pose la question. Est-ce que ça t'intéresse de voir le Terminator 6? Next. Ouais. Voilà, next, parfait. Passons à la suite avec une news sur Star Wars cette fois-ci. Donc. Next. Ah non, tu peux pas dire next. Non, surtout devant une légende pareille. Non. Oui. Je plaisante. Je sais. donc John Williams qui a annoncé qu'il arrêtera de travailler sur la saga Star Wars après l'épisode 9. Ça, à 86 ans quand même, l'épisode 9 qui est prévu pour décembre 2019, il a annoncé qu'il sait que J.J. Abrams prépare un film pour l'année prochaine sur lequel il espère pouvoir travailler, bien sûr il va travailler dessus. Il est impatient et cela bouclera une série de 9 films et ça sera bien assez pour lui, c'est ce qu'il a déclaré, sans toutefois préciser s'il continuera sa carrière en dehors de la saga Star Wars. Mais en juin dernier, il avait par ailleurs annoncé qu'il travaillerait sur le cinquième opus d'Indiana Jones aussi. Donc voilà, je pense qu'il est censé sortir en 2020. Donc je pense qu'après ces deux projets, on n'aura plus énormément de John Williams. Je pense pas. Je pense que ça va être vraiment les deux gros derniers projets que John Williams va faire, dont il va s'occuper. Il me semble qu'il bosse aussi. J'avais vu ça, un article sur Han Solo. Qui faisait la musique principale. Je crois qu'on en avait parlé, il fait un morceau, il me semble. Ouais, le thème principal, il me semble. Voilà, c'est ça, ouais, le thème principal. Mais le reste, c'est John Powell, voilà. Ça, c'est très bien. Oui, mais non, c'est très bien qu'il laisse la place à des jeunes compositeurs. Michael Giacchino, qui s'était occupé de Rogue One,
Voilà aussi. Donc John Williams pourra quand même profiter de son repos puisque il a reçu 5 Oscars pour 51 nominations. 51 quand même. c'est énorme. Des thèmes de la liste de Schindler, des Dents de la Mer, Indiana Jones, Superman, Jurassic Park, Harry Potter, Le Monde Perdu. Aussi, oui. Bref, enfin voilà, énormément de choses. Donc voilà, John Williams s'arrête après l'épisode 9. Eddie, est-ce que tu penses que c'est bien ? Est-ce qu'il aurait dû continuer ? Est-ce qu'il aurait dû s'arrêter avant ? Ah bah moi je pense que c'est bien. Enfin c'est normal aussi quoi. C'est même pas c'est même pas que je pense que c'est bien. C'est que je suis pas étonné en fait. Oui, ça tombe sous le sens quoi. C'est... Je pense que il a suffisamment donné au cinéma aussi et pour pouvoir prendre sa retraite maintenant et du coup voilà, j'espère que voilà, il va pouvoir couler des jours paisibles et qu'on arrête de le faire chier avec des sagas. Non, sachant que il a scoré donc du coup les derniers Jedi et c'était encore super bien, moi j'ai trouvé. C'était toujours aussi bien. Hein, c'était toujours aussi bien et je trouve qu'il arrive quand même à se renouveler après quand même 8 épisodes qu'il arrive toujours à trouver un petit truc supplémentaire pour donner du peps, etc. Je trouvais que la 8 était encore meilleure que la 7 d'ailleurs. Voilà. Antoine, toi. J'aime pas ce qu'il a fait sur la 7 nouvelle trilogie. Mais genre, d'accord. Pas du tout. Je trouvais que c'était en tout cas j'avais l'impression que ça repompait beaucoup ce qu'il avait fait d'avant. Malgré que le seul thème que j'aimais bien c'était le thème de Rey dans Star Wars 7. Star Wars 8 j'en ai aucun souvenir donc elle m'a pas marqué du tout, donc non, la musique de Giacchino elle m'a plus marqué, rien que dans le travail du son par exemple quand ils sont sur la planète de sable, tout ça, ces espèces de sons bizarres dans les scènes, tout ça, ça m'avait plus marqué que John Williams quand même, donc non, je vais pas dire que je m'en fous, mais voilà, ça me change rien à ma vie parce que donc tu seras content de voir d'autres personnes s'occuper totalement. De Star Wars après totalement. John Williams, d'accord. Morgane, moi je trouve que John Williams malheureusement a un petit peu on a un peu perdu, c'est une légende évidemment au même titre qu'un Ennio Morricone, tout ça, mais je trouve qu'il en a un peu perdu au niveau de sa baguette. Bah après là, je fais aussi, je pense. Oui, c'est clair. Et puis même, après... C'est vrai que quand on prend de l'âge, on en perd. Morgan, on avait compris, il n'y avait pas besoin de continuer. Et donc, malheureusement, s'il s'arrête là... Enfin, je vais être assez méchant. Moi, le thème de Rey m'a pas du tout marqué. Donc là, on me dit il s'arrête. Franchement, pour moi, ça fait un paquet d'années qu'il s'est un peu arrêté malgré lui. Il continuait à... la musique de John Williams, mais je cherche le dernier thème marquant de John Williams au cinéma. Hein. Franchement, le thème de Rey, c'est tout. Attends, il y avait Star Wars 8, mais il y a aussi. Arrête-moi si tu peux, moi je dirais. Non, mais vraiment. Parce que même. J'ai rien vu depuis. Comment ça s'appelle, le bon gros géant ? Il n'y a pas de thème vraiment marquant. Non, mais. Mais attends, Pentagon Papers, moi j'ai trouvé que la. Mais même pas, hein, j'ai trouvé que la musique était un peu. Je sais pas, je trouvais ça un peu. Je sais pas, non, pour moi le dernier thème, mais vraiment le dernier thème marquant de John Williams, pour moi c'est. Pour moi c'est Arrête-moi si tu peux, quoi, c'est en 2000. Mais attends, il y avait aussi la guerre des mondes quand même. Oui, non, mais Morgan là-dessus. Honnêtement, la musique de la guerre des mondes, je ne saurais même pas n'importe la reconnaître quoi. Pourtant. Quand les robots ils s'élèvent comme ça, bah, avec la musique honnête. Qui commence. Ah énorme. Non, faux. Ok, non, j'en ai un. Le terminal. Attends. Autant pour moi. Voilà. Okay. Non, le terminal. Ouais. Oui, c'est. Le terminal, si, le thème de Victor Navorsky. C'est vrai que c'est un thème assez entraînant. Mais j'avoue. Là, non, on me demande la guerre des mondes, mais mettez-moi 10 musiques, la guerre des mondes, je vous assure que je ne saurais pas la reconnaître. Ça, je suis d'accord. Je sais pas, ça m'a pas marqué. C'est tellement particulier que tu reconnaîtras. Ouais. Ouais. Je suis d'accord sur toi si tu te prononces par exemple sur un Lincoln ou même encore un cheval de guerre. Ouais, un cheval de guerre, il me semble que c'était lui. Qui sont très, très classiques. Mais moi je trouve qu'il continue quand même, personnellement moi je trouve qu'il continue quand même à,
à faire des bons thèmes. Après, je sais pas, moi j'ai honnêtement, je trouve pas marquant, et pourtant, Dieu sait que la musique, je suis extrêmement vigilant sur la musique au cinéma, c'est un truc qui me, c'est un des premiers trucs qui me, enfin voilà, sur lequel je fais vraiment attention, mais c'est vrai que, enfin, je trouve qu'il y a eu, entre guillemets, mieux, enfin, des musiques de films plus marquantes. Surtout que, je vais vraiment passer pour un gros con, mais tu dis n'importe quoi, parce qu'après le Terminal, il a fait Star Wars épisode 3. Alors, si tu te rappelles pas du thème de Star Wars épisode 3. Morgan, voilà. Bah non. Non parce que non, peut-être parce que le film, je m'en souviens. Non, je vous assure, je m'en souviens pas. Je vais pas dire oui pour vous faire plaisir. Honnêtement, je m'en souviens absolument pas. Mais peut-être parce que le film. Non, mais c'est pas parce que John Williams il a perdu. C'est juste que t'as une très mauvaise mémoire, c'est tout. Là. Non, c'est juste que non, c'est juste ma sensibilité qui fait que je m'en souviens pas. Après, oui, je peux dire oui, je m'en souviens. C'est formidable, La Guerre des Mondes. Mais honnêtement, je prostituerais mon avis. Je m'en souviens absolument pas. Et pourtant, La Guerre des Mondes est un film que j'adore. C'est mon Spielberg préféré avec le Terminal. Mais après, je trouve qu'il y a eu entre guillemets, enfin. Tout compositeur confondu, voilà. J'ai découvert Alexandre Desplat, j'ai découvert Michael Giacchino, voilà. Je trouve que John Williams n'a plus justement son n'a plus la fougue qu'il avait avant, quoi. Mais en même temps, c'est normal hein, avec tout ce qu'il a fait. Forcément, c'est comme Ennio Morricone. Les dernières musiques d'Ennio Morricone, je suis. Et Full Light, attends. Oui, Et Full Light, l'exception qui confirme la règle. Mais avant ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Et Full Light, franchement, c'était un. C'était le réveil, voilà, oui, du l'éveil du phénix, enfin vraiment, voilà. C'était voilà. Splendide quoi. Tout à fait. Voilà, ok. Passons à la suite du coup avec voilà, la dernière news Disney de ce podcast. Donc, Christopher Robin, on a eu des premières images de l'adaptation prise de vue réelle des aventures de Winnie l'ourson avec Ewan McGregor en tête d'affiche. C'est l'adaptation en vue réelle de Winnie l'ourson, je l'ai déjà dit. Ewan McGregor incarne le personnage titre, donc Christopher Robbins en anglais et Jean-Christophe en français. Devenu. Franchement, même pour le franchement pour un nom, ils auraient pu garder Christopher Robbins. Ouais, ça fait même. Pas non plus tellement américain que. Enfin. Christopher Robin devenu adulte qui a perdu le fil de sa vie et va retrouver un vieil ami sur sa route, un certain Winnie, qui va l'aider à se retrouver de l'enfant encore enfui en lui. Si Bourriquet, Coco Lapin, Tigrou et Porcinet, les autres membres de la forêt. Oh, il dit tellement sérieusement. Mais attends, j'adore Les Aventures de Winnie l'ourson, le premier film de 1977, quelque chose comme ça. C'est vraiment un film qui semble être enfantin, mais qui a des niveaux de lecture vraiment sous-jacents, vraiment très intéressants. Donc voilà. Donc c'est pour ça, moi je suis assez impatient de voir ce film, même si. Je trouve que visuellement, Winnie l'ourson n'est vraiment pas expressif. Et on n'a pas l'impression qu'il bouge sa bouche quand il parle, même s'il a toujours été un peu pato dans le dessin animé. Mais là, ça fait vraiment... je trouve qu'ils auraient pu trouver quelque chose d'un peu plus expressif. J'espère que ce sera un peu réglé d'ici à ce que le film sorte. Mais voilà. Donc, le film sort le 1er août prochain, donc c'est donc pas si longtemps que ça. Mark Forster réalise le film, donc c'est celui qui s'est occupé de Quantum of Solace et World War Z. C'est lui qui l'a réalisé ce film. Oui, ouais. Je pensais pas qu'il y avait. Okay. Ouais. Donc, on retrouve Hayley Atwell à John Carter dans Captain America et Mark Gatiss Mycroft dans Sherlock bien sûr qui figure également au générique du film voilà, basé sur les personnages créés par A.A. Mine qui a écrit les bouquins Winnie l'ourson, voilà. Il me semble que Eddie n'a pas vu n'a pas vu Winnie l'ourson. Morgan, toi, tu l'as vu le film original? Non, j'en ai vu. Ok, aucun. D'accord. Ah, j'ai vu aucun Winnie l'ourson. Est-ce que j'ai jamais été Est-ce que m'a toujours emmerdé. Vraiment, ça m'a jamais. Est-ce que t'as vu la bande-annonce? Non. Ok, donc t'as aucun avis. T'as aucun avis sur. Non. Ok. Antoine.
J'ai pas vu non plus les Winnie l'ourson, mais là pendant je l'ai vu Oui. et ça a l'air vachement sympa. Ouais. Ouais, Ça. je le regarderai. Ok. Ça a l'air vachement cool. Ouais, enfin franchement, moi ça me plaît beaucoup l'univers et tout. Eddie, toi, du coup. Next. Mais Non, vraiment? j'ai jamais vu. Non, mais je te jure, moi aussi j'avais le même a priori sur Winnie l'ourson. Et quand je l'ai vu, ça fait partie de mes Disney préférés. Hein. Vraiment. Il Sérieux? doit être dans mon top 15. J'ai jamais vu, ça m'a jamais tenté. Même. Mais je le verrai Moi sûrement un non plus, jour, Winnie c'est un l'ourson. Disney. Oui, non, mais je t'assure que, ouais, franchement, enfin, même visuellement et tout ça, c'est vraiment super bien. Et ça paraît enfantin, mais vraiment, moi, je me suis dit, mais putain, mais je vais me faire chier devant ce film. Et finalement, j'ai été pris dans le truc, et c'est magique, en fait, c'est vraiment magique. Donc, ouais. Moi, je suis très impatient de. Enfin. C'est les aventures de Winnie l'ourson, le premier? Oui, le premier de 1977, il me semble. D'accord. Et il y a eu le deuxième aussi, qui est un peu moins bien, mais qui est très bien aussi. En Voilà, donc, 2011. ouais, 2011, dernier film animé de Disney, animé en 2D. Voilà, ça Je fait connais déjà pas. deux. Je connais. C'est pas du tout un univers que je connais. Et du Mais coup, franchement, j'ai ouais. pas vu la bande-annonce parce que là, ça, bah, du Oui, coup, du j'y coup, avais pas ça. de. Ouais, t'as pas de référence. Ouais. Donc voilà, moi je vous conseille de vous plonger dans l'univers si vous ne l'avez Oh, pas ça peut encore être fait. sympa. C'est sympa. Passons à la suite, un film d'animation aussi, enfin un film d'animation cette fois-ci. Le Grinch, donc film d'animation des studios Illumination, connu bien sûr pour Moi moche et méchant, Comme des bêtes. Mon Dieu. comme des Déjà. bêtes, voilà, des Oh. classiques, Des tous légendes. Bon, ensemble. tous en scène, ça allait Oui. encore. Je sais Ouais, pas, c'est mais. le. Voilà, c'est le. Apparemment, c'est le moins Voilà. pire. C'est le moins pire, Voilà. voilà. Il se regarde. Mais bon. Voilà, Moi, donc. j'ai même bien aimé, Là. hein, tous en scène. Oh, il est Faut bien, pas mais le voir bon. pour la qualité de Enfin. son animation, c'est sûr. Non, il y a des bonnes choses. Mais j'ai revu Ouais. Comme des bêtes récemment, parce que Oh, malheureusement, on l'a acheté en DVD. oh, non, mais Et t'as non, mais osé c'est pas faire moi qui le ça? voulais, hein. Au secours, vraiment, Mais c'est. qu'est-ce qu'il ferait pas par amour, lui? Mais non, c'est vraiment pas ma cam. Hein. Je trouve ça. Enfin, c'est même dans l'humour, Un Toy Story c'est du pauvre, quoi. C'est mauvais. vraiment un Toy C'est Story. oui, c'est ça. Oui, c'est le Toy Story du pauvre. Et Moi moche et Ouais, méchant, vous aimez pas? moi j'aime bien le premier. Non. Ouais, le premier, ouais. Moi, j'aime pas. Mais c'est tout. Les mignons, c'est joué, c'est Oh épique. Oh là non. là. Non. Ouais, non. C'est vraiment. C'est Le film pas. sur les mignons est affreux. Hein. Ouais. Au secours, au secours. Bah tout comme la bande-annonce du Grinch finalement, hein. Donc, bande-annonce où on est plongé dans l'univers du Grinch, dans l'antre du personnage vert, royaume. Désolé, je suis en train de lire en même temps. Donc, le film est une adaptation des bouquins extrêmes, enfin culte, Parce qu'il extrêmement y a culte, c'est un truc aux États-Unis, c'est pas outre. Dr. Seuss, machin, là, je sais plus quoi. Docteur Seuss, Seuss, Oui. qui. Morgane, je sais que j'ai dit quelque chose et que Ouais, le tu as Lorax et entendu. compagnie, là. Voilà, Le c'est ça. Lorax, Horton, tout Le ça. Rox, ouais. On va adapter Orton, aussi. Cat in the Hat, enfin voilà. C'est des livres ultra cultes outre-Atlantique, donc aux États-Unis, même en Angleterre, mais un peu moins. Des livres pour enfants, mais qui sont aussi appréciés par les adultes, un peu comme Roald Dahl en Angleterre, par exemple. C'est un peu la même empreinte sur la culture. C'est vraiment quelque chose qui a marqué un nombre énorme de enfin, générations. Et qui continue toujours. On avait eu une adaptation par Ron Howard avec Jim Carrey qui prêtait ses traits. Oh, ça c'est génial. Moi, j'étais pas. C'est génial. Moi, je trouve. C'est ma part d'enfance qui parle, mais c'est J'ai génial. jamais Moi, vu. j'ai vraiment. Enfin, Moi non plus, jamais j'aime pas vu. beaucoup, mais je l'ai vu un peu tard aussi, donc je l'ai pas Moi, je vu. l'ai vu à Noël quand j'étais gamin Oui, c'est clair que et... voilà. Ça marque plus quand on est gamin, Oui, j'imagine. voilà. Donc, personnage qui, dans la version animée, est doublé par Benedict Cumberbatch en VO. Voilà, donc,
En France, on n'a vraiment pas ce... On connaît pas énormément le Grinch, à part pour l'adaptation de Ron Howard. C'est pas quelque chose qui est très connu. Donc, enfin, ça va être pour lancer ça à l'international. Je pense qu'Illumination va faire son taf très bien, puisque enfin, tous leurs films fonctionnent très très bien à l'international. Et que c'est ça me fait de la peine de le dire, mais c'est le meilleur studio pour faire ça au niveau de l'argent, mais pas au niveau artistique. Au niveau de Oui. l'argent, je pense qu'ils vont récolter pas mal parce que voilà, ils savent ce qu'ils font, ils connaissent leurs recettes. Mais niveau artistique, les bouquins, enfin le bouquin mérite beaucoup plus que ce que Illumination va nous proposer, même de ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Enfin, c'est toujours les mêmes gags lourds. Le premier gag, c'est un réveil avec la sonnerie Happy. Avec le livre. Oui, aussi, oui, Quatre c'est vrai, oreilles, mais oui. le réveil avec la sonnerie Happy. Donc, du coup, enfin, voilà, quoi, on n'est plus en 2012 ou 2013, je sais plus quoi. Mais vraiment, ça fait très daté C'est vrai déjà. qu'elle date cette chanson quand même. Ça fait déjà énormément daté quoi. Je vois déjà les parents rigoler dans le cinéma. Ah, c'est drôle, mais les enfants comprendront pas parce que, enfin voilà. Ouais. Oui, la chanson nous énerve, etc. Enfin, bref, c'est toujours le même type d'humour d'Illumination. Hein, c'est Les musiques. bas. Moi, j'ai Ouais. remarqué ça par exemple dans Momo Ouais. Méchant, ils font souvent référence à de la musique. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas non plus enfin, le plus original ni le plus inventif quoi, de Oui. ce qui. Donc voilà. Moi, j'étais impatient de voir les premiers extraits parce que c'est quand même. Moi, j'aime beaucoup le bouquin, mais voilà. Moi, je pense que ça fera toujours pas honneur au travail de Dr. Seuss. Voilà, Ça va, il a moi pas je. entendu. Oui. Ouais, Non, mais. Et voilà, moi je suis désolé que Illumination s'occupe de ça. Mais en fait, il a vraiment pas eu de chance, hein, Dr. Seuss, parce que c'est. À chaque fois, ces adaptations, c'est vraiment les pires. Hein. C'est Cat in the Hat avec Mike Myers, absolument horrible, une adaptation live qui est atroce. Orton, qui est encore ah, à j'ai peu pas aimé près moi. qui est, une des plus correctes, et encore Lorax, qui est atroce. Ah, tu vois, moi c'est le Bref. contraire. J'ai plus aimé Loras que Norton. Oh, Moi ouais. pareil. Ouais, non, moi Orton, ça va encore. Lorax, je supporte pas. Voilà, moi c'est juste dommage quoi. Passons à Eddie, toi. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'avais entendu parler du Grinch avant? Oui, bah comme tout Oui, le quand monde, j'avais même, dû voir la voilà. bande-annonce du film de Ron Howard, mais c'est tout. Ouais. J'ai jamais vu et ça m'intéresse pas, non. Ouais, même de l'abondance de ce qu'on Oh a vu, non, non, cette non. ouais, ça te tente pas. Non. Ok, Antoine. Pourquoi pas? Vraiment. Bah, j'ai toujours le film de Ron Howard en tête, mais pourquoi pas? Si ça pourrait être sympa, avec le gag à la fin, avec quand le Grinch il se prend le truc dans la tête. À mon avis, ça va être ça. Ça va être de l'humour basique Oui, ouais. un peu le style du studio. Moi, Ouais. ça me fait pas marrer, ça me fait sourire, mais ouais, ça peut être sympa, je trouve. Oui, c'est vraiment un film qui va faire sourire maximum, quoi. C'est plus pour les enfants, Vraiment, je je pense. pense. Ouais. Morgane, Non. tu as vu la bonne annonce quand même? Non. D'accord. Donc tu fais même pas ton travail, quoi. Non. Voilà, parfait. Non, franchement, le Grinch, je sais que quand j'étais petit, tous mes potes de classe étaient ah, le Grinch. Alors, moi, ça ne m'a jamais. Je regardais déjà du Godard à Oula. l'époque. Mais Non mais non, par rapport ça n'a jamais été un ouais. film qui m'avait attiré, même quand j'étais Par rapport petit. à The Mask Voilà. par exemple, qui est aussi enfin Jim Carrey, moi je trouve que on est Ouais, mais c'était à. pas l'accroche Oui, Jim non Carrey. mais. Ouais, malgré Jim Oui, Carrey, non je non sais pas. mais. Il y a quelque chose qui Il est me. Je incroyable quoi, trouve qu'on dedans. est. Jim Carrey. Oh. Ah, il a oui, mais Jim Carrey est toujours incroyable. Mais je suis dans ça m'a jamais. Je le verrai peut-être parce que c'est vrai que c'est un objet culte pour beaucoup.
rapport oui. nostalgique peut-être, je sais pas, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est drôle aussi et que c'est oui voilà. c'est un univers aussi voilà c'est... un jour on verra Inch'Allah. Ok, d'accord. Moi j'ai pas le souvenir que c'était forcément drôle, mais en tout cas je me souviens pas avoir rigolé devant le film, c'était plus l'histoire qui me plaisait. Oui, c'est une histoire avec enfin une morale à la fin, enfin c'est vraiment oui, voilà. Une histoire pour enfin un livre pour enfants à la base avec une morale etc, mais qui est parsemé de choses amusantes, enfin voilà. Donc oui, pour enfin moi je franchement, il me tente pas beaucoup et je sais pas si j'irai le voir en salle quoi. Voilà, passons. Je vais pas le voir non plus en salle. Ouais, bah voilà. Bah moi, il me tente pas, mais j'irai. De toute façon, ils feront déjà assez de fric comme ça. Et ouais, Shadow, voilà. Ils ont pas besoin de notre fric. Je sais pas. Attends. Avec, il suffit qu'il y ait un mignon sur l'affiche et c'est bon. Ah oui, bah à peine un mignon, ça va ramener plus tout le monde, je pense. Il suffit de dire qu'il y a un court-métrage mignon avant le début du film. Mmh. Et en 3D, c'est... surtout. Voilà, c'est bon. En 3D, en IMAX. Et ça, d'ailleurs, voilà. le logo de Illumination, c'est insupportable. Ben, à chaque fois. Hein. Ouais, c'est atroce. Bref, passons à autre chose. Alors, pour cette prochaine news, je vais dire beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais je vais les dire quand même et vous allez croire que j'y crois. Donc première bonne annonce des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Voilà, tu vois, première erreur, on voit déjà mon inculture sur Harry Potter. Film qui est prévu pour la sortie le 14 novembre 2018. Le film se passera en 1927, quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert, Grindelwald, c'est ça. Voilà. Ouais. S'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire, réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques d'humains normaux par des sorciers. Et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore. Dumbledore, oui Dumbledore, ça je quand même, semble capable de l'arrêter, mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald, auparavant son ancien élève Norbert Dragono. Okay. Newt Scamander en VO. Très bien, qui est interprété par Eddie Redmayne, toujours. Mm-hmm. L'aventure qui les attend réunit Norbert et Tina, Queenie et Jacob. Mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais. Voilà. Donc, Animaux Fantastiques 2, donc Jud Law interprète Dumbledore jeune, ouais. Avant qu'il soit directeur de Poudlard. Gellert Grindelwald est interprété par Johnny Depp. Je sais pas s'il était... Il était dans le premier ? Ouais, au début. Mmh. Ok. Au début ou à la D'accord. fin, je sais plus. À la fin. Ok. Ouais, à la fin. D'accord. Plus qu'on spoil pas, hein. Tout le monde l'a vu, donc... Oui. Oui. Second opus, toujours réalisé par David Yates. Voilà. Donc, présenté... Il y a aussi des nouveaux personnages, donc Leta Lestrange, qui est interprété par Zoé Kravitz. L'aurore Thésée Dragono, qui est interprété par Callum Turner. Voilà. Et aussi, il manque la bande-annonce, mais il y a le créateur de la pierre philosophale, Nicolas Flamel, ouais. Nicolas Flamel, pardon, qui fera une apparition dans le film. Voilà. Donc, vous avez bien entendu que je n'y connais absolument rien, comme je l'ai dit. Donc, même si la bande-annonce m'en a foutu plein les yeux, parce que c'est visuellement assez impressionnant. C'est pas un film qui va me tenter plus que ça, et comme j'ai pas vu le premier et que j'ai vu que les trois premiers Harry Potter et que ça fait très longtemps que je les ai pas revus, voilà. Donc je vais laisser la parole à ceux qui connaissent quand même beaucoup plus, en commençant par Eddie. Oui, alors je faisais partie de ceux qui avaient pas envie de voir les Animaux Fantastiques. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Et du coup, moi, j'avais été très surpris parce que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. À tel point qu'il avait même été dans mon top 10, je crois, quand oui, il est sorti. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup. Enfin, je pensais vraiment que c'était un projet opportuniste et que c'était que pour l'argent et que ça allait rien raconter. Et en fait, ça étoffe vraiment l'univers d'Harry Potter. Un univers que j'aime beaucoup, pour le coup. Par contre, ouais, c'est pour ça que j'avais pas envie de voir le film. C'est parce que bah, j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter et je me disais à quoi ça sert, quoi. Et en fait, ouais, non, ça, J.K. Rowling, vraiment, elle arrive à étoffer encore plus son univers, à nous montrer encore plus de choses. Et du coup, bah, les Animaux Fantastiques ouvraient une porte entière sur tout un nouvel univers de la magie, quoi, qu'on n'avait pas encore vu. On connaissait la magie en Europe, là on l'a vu aux États-Unis. Et progressivement, elle a l'air de faire le lien du coup avec Harry Potter aussi, puisque Grindelwald, il est évoqué plus, plus qu'autre chose dans les Harry Potter, surtout dans les deux derniers. La romance entre Dumbledore et justement lui, tu penses qu'elle va être abordée dans ce film ? Oui, je pense, oui. Être évoquée, peut-être pas forcément abordée, mais il y aura une allusion, je pense qu'il sera faite. Donc du coup, bah, moi la suite, je l'attendais, hein, clairement. Mm-hmm. Ouais. Et la bande-annonce m'a vraiment conquis, ça me botte bien. Ok, très bien. Donc tu seras au cinéma quand ça sort, oui. 14 novembre. Ah okay. Oui. Et chaud, oui. Non mais okay. oui, je l'attends vraiment parce que c'est, enfin ça me fait plaisir du coup de voir que. Et l'histoire qui s'annonce, ça t'intéresse Ah oui, complètement, ouais. Bien plus du coup que celle du premier, même si j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que là on retrouve vraiment cet univers de la magie avec c'est ça qui est génial en fait dans Harry Potter, c'est que c'est l'histoire dans l'histoire, quoi. C'est que le monde de la magie a sa propre histoire et c'est insoupçonné en fait par les moldus, les humains. Et du coup, là, ça donne vraiment, enfin, ça va vraiment étoffer encore tout ça. Et l'univers d'Harry Potter est de toute façon assez vaste pour qu'on en raconte encore plus. Et c'est vrai que tout ce qui touche aux reliques de la mort dans le dernier, dans les deux dernières parties d'Harry Potter, là, tout ça va être un peu lié, okay. Puisque Grindelwald détenait une des, il me semble qu'il détenait. Ouais, j'ai des grosses guillemets là-dessus. Mais il y avait un lien, quoi. Donc, du coup, tout ça se mélange et cet univers gagne en cohérence encore plus grâce aux Animaux Fantastiques, je trouve. Ok, très bien. Antoine, toi ? Alors, moi, j'adore la saga Harry Potter. À la base, je voyais pas forcément trop l'intérêt aux Animaux Fantastiques, même ils me tentaient vraiment pas du tout, même aux effets spéciaux et tout ça, je trouvais que c'était quand même un peu dégueulasse. Les bonnes annonces annonçaient vraiment les pas... Les animaux, ils étaient pas bien faits, je trouvais. Ouais. Après, dans le premier film, c'est pas non plus le point fort du film, hein. C'est pas vilain, il y a des créatures ça qui se sont... regarde, mais... Le Nifleur est très mignon, c'est sûr, mais après, on voit que c'est... On voit l'image de synthèse, quoi. C'est je pense que là, pour voyant. Le coup... là, je m'attends à quelque chose de plus fini, quand même. Ouais, je pense qu'au niveau effets spéciaux, tout ça, ce sera beaucoup mieux parce que... Bah, le premier ayant été un gros succès... Ouais. Bon, moi, j'ai pas été le voir au cinéma, en tout cas le premier, parce que j'y voyais pas forcément l'intérêt. J'avais eu que des bons échos sur le film. Donc j'ai regardé, finalement, ça se regardait bien. Et la scène dans la valise m'a complètement transporté, quoi. C'est incroyable. J'avais envie d'être dans le film, enfin... C'est hyper créatif. Ah oui, de voir tous les animaux dans les différents habitats, tout ça, c'était incroyable. J'aurais même voulu que le film, pendant 2 heures, me montre ce qu'il y avait dans la valise, ça m'aurait pas dérangé. Oui, qu'il nous fasse un inventaire des voilà. Espèces. Ouais. Ah, j'aurais trouvé ça génial. Et j'avais plutôt bien aimé. Et là, avec le personnage quand même de Norbert Dragoulou, oui, qui est intéressant, touchant, je trouve. Oui. Et pour moi, je suis pas fan en plus d'Eddie Redmayne à la base, non et plus. Je trouve qu'il correspond très bien. Il arrive vraiment à faire transparaître la sensibilité de ce personnage qui est un peu fermé, et puis finalement qui souffre complètement dès qu'il est avec ses animaux, parce que finalement c'est les, il est un peu comme eux. Mais il aime bien jouer des personnages sensibles, j'ai l'impression, parce que déjà dans Danish Girl, je crois que ça s'appelait comme ça, où il se transformait première homme qui se transforme en femme, c'est ça, transgenre. Ouais.
Et il n'y a pas longtemps, j'ai découvert justement La Fabuleuse Histoire du Temps, où il retrace la vie de Stephen Hawking. Et j'ai trouvé ça génial. Mais vraiment, j'ai été ému par le film, mais du début à la fin. Et maintenant, j'aime vraiment plutôt bien cet acteur. Donc ouais, les Animaux Fantastiques 2 me tentent vraiment bien. Et en plus, Dumbledore, je trouve quand même sacrément classe avec Jude Law. Donc ouais, moi je suis bien hypé. C'est un bon choix de casting. Franchement, ouais. Au début, je voyais pas trop le rapport avec Dumbledore et Jude Law. Mais finalement, à le voir à l'écran, je dis ouais, pourquoi pas. Il est classe. Ok. Et niveau réalisation, du coup, David Yates. Oh, c'est propre. Est-ce que... C'est vraiment beau, je trouve. Ok. Bah, il s'est tellement approprié l'univers que du coup. C'est ça. C'est bien, finalement, au niveau de la cohérence, je trouve. Ok. D'accord, très bien. Passons au rageux. Morgane. Bon, c'est pas un rageux, c'est un mec modéré, c'est tout. Non, parce que finalement, le premier, rigole. j'ai cru que ce serait opportuniste. Finalement, ça ne l'est pas, c'est juste chiant, je trouve. Et je trouve que la magie espérée, je sais pas, il y a quelque chose qui a totalement disparu. Mais c'est que... c'est un peu désincarné. Mais justement, c'est pas Harry Potter, quoi, et ça se démarque. Ça non, aspect, non, en non, fait. Non, 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 mais je parle pas. Quand je dis la magie, c'est la magie d'un univers, un univers qui me passionne, des personnages qui me passionnent. Alors là, mais que tous les enjeux de la première à la dernière seconde, je suis resté sur mon siège. Ouais, mais justement, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant de traiter en fait l'univers de la magie. Enfin, je trouve ça intéressant de montrer ces sorciers dans leur quotidien. Oui, ouais. Ça les rend plus... Ben ça leur donne encore plus de prestance, en fait, je trouve. C'est pas juste des magiciens, c'est des gens comme tout le monde. Et en plus, le premier, étant donné l'époque où ça se situe, ça faisait aussi un rappel avec la ségrégation. Oui. Oui, alors ça, peut-être, mais je sais pas, vraiment en termes d'enjeu pur, vraiment que ce soit bien sur le papier, il n'y a pas de problème, j'accepte tout. Oui, c'est pas des sorciers, ils sont pas traités comme tels, je viens le croire, même si je pense que le 2, lui, va carrément amorcer. Là, ça sent carrément, quand on voit la bande-annonce, que là, le gros lien est fait. Je pense que le 2 quand sera on plus regarde ambitieux bien, scénaristiquement. Oh bah. Non, c'est pas une question d'ambition, c'est peut-être une question d'un peu plus, moi, quelque chose qui me transporte un peu plus, honnêtement, en termes d'univers, que je le prenne dans le même truc qu'Harry Potter ou pas, même si je trouve justement que ce qu'il sauve, on va dire, c'est que j'arrive à lui trouver des liens assez subtils avec Harry Potter qui fait que ça m'amuse un peu. Il y avait un côté ludique qui m'intéressait. De me dire, ah oui, tiens, ce personnage-là, on en parle dans Harry Potter 2, ah celui-là. Donc, à la limite, c'est comme ça que je suis... Mais alors, tout ce qui concerne les personnages, l'histoire et tout, j'ai trouvé ça absolument désincarné. J'ai trouvé le personnage nullissime. Pas terrible. Alors que dans Harry Potter, justement, les personnages féminins étaient quand même assez, assez forts. Là, je trouvais que c'était totalement froid à ce niveau-là. Et Eddie Redmayne, que je trouve sympathique comme tout. Je trouve qu'il n'arrive pas du tout à porter le film avec lui. C'est un héros extrêmement fade et je ne supporte pas son personnage. Mais c'est pas un héros. Donc en fait, enfin un héros, un protagoniste, quoi. Donc je trouve qu'il ne véhicule pas grand-chose. Je le trouve très froid. Déjà, il a un visage assez, assez glacial, déjà. Je l'aime bien. Hein. Je trouve que ça marche bien dans The Danish Girl. Ça marche bien dans Merveilleuse Histoire du Temps, même si je ne suis pas fan du film. Mais en tout cas, ça marche bien. Mais alors là, j'ai du mal avec son personnage. Après, il est écrit comme tel. Alors, c'est moi, personnellement, j'ai vraiment du mal. Non, je n'ai pas du tout aimé. Et puis même la réalisation, j'ai trouvé sans relief, quoi. Je pensais que j'allais voir un truc bien opportuniste, alors que pas du tout. Quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, bon, bah dis donc, finalement, non, je vais pas attaquer le film là-dessus. Après, c'était aussi le premier. Alors après, j'ose espérer. Donc là, à mon avis, il y aura vraiment quelque chose, tu vois. Oui, peut-être que le 2, je demande qu'à être surpris. Hein. Je vais pas aller voir le 2 en me disant, façon, je vais aller voir le 2 en me disant, j'ai pas aimé le premier. Ils se sont pas cachés, hein. C'est le succès du premier qui a permis, du coup, d'annoncer que la saga fera en tout 5 films. Donc, je pense qu'ils avaient une histoire en réserve. Il fait beaucoup quand même, voir mais si, après. Si le premier allait marcher pour introduire ses personnages et du coup, éventuellement, faire un lien avec la suite. Mais je pense que les vrais enjeux de cette saga vont se lancer à partir du deuxième. Et le souci que j'avais eu aussi avec ça, c'est que quand moi j'avais dit que je n'avais pas aimé, c'est vrai que j'étais un petit peu seul contre tous, on m'avait dit, mais le prends pas pour un avant Harry Potter, je peux pas le prendre autrement parce qu'il y a trop de détails qui rappellent Harry Potter, oui, mais c'est aussi pour ça que j'y allais. Et je trouve qu'il s'en sort super bien. Je trouve que le lien avec Harry Potter, il y a vraiment des petits détails assez subtils qui sont très plaisants à regarder. C'est pour ça que finalement, j'étais pas totalement désintéressé. Mais alors, c'est tout ce qui est à côté. Je me suis
intéressé à rien. Il n'y a rien qui m'a plu dans cet univers-là, dans ce nouvel univers-là. Donc après, je demande qu'à être surpris. Il y a des films qui ne m'ont pas plu, par exemple, ça n'a rien à voir, mais Sherlock Holmes, par exemple, le tout premier film, j'ai pas du tout aimé. Mais alors le deuxième, je l'ai trouvé génial. C'est Guy Ritchie, je ne sais pas. Ah ouais, Jeu d'ombre, j'ai adoré. Mais Jeu d'ombre, je l'ai trouvé exceptionnel. Mais je demande qu'à être surpris. J'irai voir le 2 sans vouloir le détester, je ne suis pas du tout comme ça. Mais je vais pas y aller avec un avis. Enfin, je vais pas y aller avec une hype vraiment. Non, ce serait mentir. Okay. Bah, moi, c'est ce qui m'avait plu justement dans les Animaux Fantastiques, c'est que ça te présentait en fait un univers différent. Harry Potter, c'était un petit côté scolaire, justement tout ce qui est l'école. Donc là, ça te montre réellement la société, comment elle est avec les sorciers, la différence entre les gens qui n'ont pas la magie et ceux qui l'ont. Ça fait. Je trouvais que le mélange marchait plutôt bien. Donc là, ouais, pour le deuxième, je suis vraiment bien hypé quand même. Ok, c'est cool. Ben, très bien, voilà, comme ça vous avez les avis un peu de tout le monde sur ce film. Et il sort du coup le 17 novembre 2018 en salle. On passe à la dernière news de ce podcast. Du coup, une news assez triste pour nous, fans de Michel Hazanavicius. L'avant-dernière news. Oui, j'en ai rajouté une. Je suis désolé, j'ai pas regardé. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. J'ai pas regardé. Et il faut en parler de ça. Ok. Donc. Le mec fait son programme, tu sais. Oui, non, mais toi, t'aurais pu me prévenir. OSS 117.3, Michel Hazanavicius a annoncé qu'il n'aimait pas le scénario et il confirme qu'il ne réalisera pas le film. On en avait parlé dans le dernier, il me semble. Qui avait des rumeurs comme quoi, et même c'était assez précis comme quoi il n'allait pas réaliser le film. Mais là, on en sait un peu plus, puisqu'il était à la 17e rencontre nationale art et essai, patrimoine et répertoire. On lui a demandé pourquoi il n'allait pas faire OSS 117.3. L'idée d'Hazanavicius pour la troisième aventure était que le personnage d'Hubert Bonisseur de la Batte soit dégarni et bedonnant et aller encore plus loin dans le décalage entre sa génération et la nouvelle. Visiblement, ce n'est pas le chemin emprunté par ce troisième film. Malgré tout, Jean Dujardin a annoncé que le troisième opus se fera et il rempile pour le rôle principal. OSS 117.3 a de longue date été réclamé à Michel Hazanavicius, qui a toujours répondu qu'il attendait d'avoir la bonne histoire à raconter pour faire une suite à la hauteur des deux autres, voire mieux. Sa déception quant au scénario existant pourra faire office de désaveu auprès de certains fans qui attachent la saga autant à Jean Dujardin qu'au scénariste dialoguiste Hazanavicius. Donc voilà, lui, Hazanavicius, c'est sur un prochain film, sur un autre film, qui est l'histoire d'un veuf dont les histoires du soir qu'il raconte à sa fille prennent vie. Il a annoncé que c'était un film familial, très original, hyper drôle, émouvant, et il est très excité de le faire. Le rôle principal sera tenu par Omar Sy, et ce sera un film familial qui fera voyager entre l'imaginaire et la réalité. Voilà. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, Morgane, on est triste ou pas? Aucun intérêt. Ouais. Aucun. Il n'y a même pas une bonne raison de faire ce film-là. C'est même pas possible. OSS 117, c'est... Il y a l'ADN de Michel Hazanavicius dedans, avec tout ce que ça implique dans l'humour, dans l'irrévérence. Ne plus avoir cette valeur ajoutée, ce qui faisait le sel d'OSS 117, c'était le réalisateur. C'était pas que Jean Dujardin, c'était le scénario d'Hazanavicius. C'était son audace à mettre en scène un personnage d'un point de vue éthique assez ignoble. Ouais. Malheureusement, ils vont aller dans le formaté parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de Twitter où chaque phrase est sortie de son contexte pour une polémique, une bande-annonce est décortiquée au peigne fin. Où on prend un plaisir à bâcher, à parler sexiste, homophobie, transphobie, je sais pas quoi là, et plein de phobies possibles et imaginables, et à s'indigner pour tout. On est à une ère où on ne peut, on,
je dis pas qu'on ne peut plus rire, mais en tout cas, le rire est devenu de plus en plus contrôlé par la police du politiquement correct. Mmh. Voilà. Donc, du coup, comme on ne peut plus le faire, je pense que bah, ce OSS 117.3 va être la résultante parfaite et la cause que je déplore, hein, justement, de toute cette époque où on ne peut plus oser l'humour un peu insolent. Ouais. Donc, en tout cas, les gens ont réussi. Voilà. Ils vont avoir ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne viennent pas pleurer, parce que je pense qu'ils vont droit dans le mur. Personne ne pourrait. On peut mettre même Alain Chabat, tu vois. Bon, même si j'ai pas aimé son dernier film, on peut mettre n'importe qui. Ça ne c'est pas possible. Ouais. Sans Azanavicius, c'est mort. Mm-hmm. Je suis vraiment pessimiste ce soir. Oui, non, mais. Ça m'énerve tellement la twittosphère des fois que. Voilà. Oui, non, mais c'est clair. Il y a des raisons d'être pessimiste sur ce film. Mais oui. Antoine. Par contre, il n'a pas eu de poids d'ailleurs. Je vais te couper. Normalement, c'est la franchise d'Azanavicius. Donc, normalement, il a du poids sur ça. Il aurait pu dire non, moi j'accepte pas, je réécris et vous la fermez. C'est quand même lui qui a fait les deux premiers. Si c'est une demande des studios. Ah ouais, mais bon. Moi, je serais Azanavicius, je m'imposerais quoi. C'est peut-être. Ça, c'est la faute des gens qui sont pas allés voir Le Redoutable parce qu'il avait dit sur le plateau de Quotidien. Je ferais OSS 117.3 si Le Redoutable cartonne. On va dire que le film a été un grand succès. Oui, c'est clair. Du coup, je pense. Refroidissait les gens. Je pense que. Bah oui, ils ont peur. C'est ça qui est dingue maintenant, c'est que les studios maintenant se soumettent au diktat du politiquement correct, de la bien-pensance, du rire très contrôlé. Mmh. Maintenant, faut rire des paquets de lessive et faut rire des trucs. Voilà. C'est ça en fait, c'est que un scandale en fait, ça peut tuer toute la promotion de ton film. Mmh. Ah ouais, mais surtout sur Twitter, Twitter, il y a que là-dessus, il y a des fous furieux hein, là-dessus, vraiment. Hein. Oui. Ridley Scott, il a de la chance avec tout l'argent du monde, c'est ça, avec toute l'affaire de Kevin Spacey. Il a eu le temps de retourner vite fait son film, mais sinon c'était mort. Oui, c'est clair que. Oui, même à l'époque d'Exodus, hein. Oh là là, bon, c'était un peu justifié, je veux pas dire. Parce que c'est vrai que, bon, mais à l'époque d'Exodus, Exodus avait été assez flingué avant qu'il sorte. Maintenant, on voit ça pour toutes les comédies françaises. Hein. Vous prenez n'importe quelle comédie française, mettez Kev Adams de préférence. Alors là, vous avez l'outil parfait pour aller. Philippe Lachaud, oui, alors que heureusement qu'ils sont là. Hein. Enfin, je trouve. Heureusement. Mais heureusement. Non. Après, leur film vaut ce qu'il vaut. C'est quoi leur dernier film déjà? Épouse mon pote. Ça c'est pas Philippe Lachaud. Oui, enfin, il joue dedans. Voilà, c'est son pote en famille là. Oui, et qui était Boudali. Oui, c'est ça. Oui, qu'on a taxé d'homophobie. Alors d'ailleurs, et Philippe Lachaud, c'est quoi son problème avec les animaux? Sans déconner. C'est vrai, il met des animaux dans tout ce film. Il met des animaux pour et c'est des animaux qui s'en prennent plein la gueule, quoi. Ouais, dans Libby.com, je crois que c'est un chat qui fait voler par la fenêtre. Oui, là, il y a un chien qui passe, un faux chat, sous un genre de laveuse de sol, là. Dans le premier. Il survit, attention. Oui, mais dans le premier, Babysitting, c'est un perroquet qui se fait dézinguer. Enfin, c'est. Dans Babysitting 2, c'est un paresseux qui tombe d'un parachute. Non, mais après, dans le cas c'est de. Quoi son... mon pote, enfin, et rien, c'est quoi rien ça m'énerve. Bon, bref. De toute façon, j'aime pas, ça me fait pas rire. Donc. Épouse-moi mon pote, on l'avait taxé d'homophobie. Ouais, c'est homophobe et tout. Quand on voit la fin, on peut pas dire que ce soit homophobe. Mais c'est le problème maintenant. Enfin, voilà, c'est encore une fois. Moi, j'ai vu que la bande-annonce, mais déjà dans la bande-annonce, mais bonjour les clichés, quoi. Je vais faire une toute petite parenthèse parce que justement les clichés de la bande-annonce sont déjoués par un personnage féminin qui dit mais attendez les mecs, vous vous rendez compte que là vous êtes en plein cliché de l'homosexuel des années 80 et là à ce moment-là il change. Donc c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'ils savent qu'ils sont clichés. Bah non, c'est pas dit dans la bande-annonce. Oui, la surprise est dans le film. Donc justement bah ils vont pas non plus dévoiler le truc parce que c'est à ce moment-là que tout se déjoue ça te pousse pas à voir le film quoi. Je sais pas si je peux spoiler la fin, mais la fin est très surprenante et je trouve assez osée finalement parce que on va vers des choses et c'est ça qui est intéressant dans le film. Je sauve pas le film d'un point de vue humoristique, mais je trouve que on a peut-être fait un procès d'intention au film qui était attendu parce que voilà, mais attention
peut-être pas pour les bonnes raisons, c'est juste que le film, je l'ai pas trouvé très drôle. En revanche, Alibi.com était bien réalisé, mais c'était une redite de Babysitting, même s'il y avait des bonnes idées. Il était horrible. J'ai trouvé que... je trouvais qu'il avait des bonnes idées, mais que c'était un peu, on était encore dans la redite, la comédie qui se veut. Mais... Et ça, donc. Donc, ah non, non. Non mais après je peux comprendre, hein, je suis pas fan d'Alibi.com du tout. Mais en tout cas je dis heureusement qu'ils sont là et j'ai hâte de voir Nicky Larson. Je sais pas ce qu'il va en faire, mais ça peut être pas mal. Non. Oh mais j'ai hâte, moi j'ai aucun attachement pour le manga, je sais pas quoi, honnêtement. Non mais au moins des mecs comme ça, qu'on aime ou qu'on aime pas, mais au moins ils essayent. Enfin voilà, oui, ils essayent. Par exemple, c'est comme voilà. Frank Gastambide avec Pattaya. Oui, bah alors lui par exemple, voilà, ça c'est tout ce que j'exècre. Je suis Gastambidophobe mais. Bon, voilà, il fait ce qu'il... Voilà. Lui, je trouve que c'est un humour dangereux, par exemple. Alors que la chose, c'est juste crétin, et puis on aime pas. Mais Azanavicius, en tout cas, avec OSS 117, oui. Comment je rebondis ? Oui, revenons sur OSS. C'était, voilà, ouais. C'était assez calme, finalement, mais en même temps, c'était un humour assez impulsif, mais non, mais très incisif. En même temps... On n'aura plus ça, c'est dommage. Ouais. Mais pourquoi ? Ça m'énerve. Mais... Et il n'y a pas de... Ça sert à rien de le faire. Vraiment, ça sert à rien de le faire. Faut pas. Dans ces conditions-là, non. Si tu prends Omar Sy, voilà. Omar Sy, lâchez-le. Antoine, toi. Moi, je les ai jamais vus, donc... Ouais, donc t'as pas d'avis là-dessus. Non, j'ai pas vraiment. Je sais que je dois les regarder. En plus, j'ai un papa qui est très fan, en plus, des OSS 117. D'accord. Mais non, ça me dit rien. Ok, d'accord. Et dis, je sais que tu n'as pas vu non plus. Mais du coup, j'ai essayé le premier, oui, t'avais essayé le premier. Ça m'a pas... Mais t'as pas regardé jusqu'au bout. Ben non, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, et c'est vrai que ça me faisait pas rire, quoi. Okay, ça vraiment... Ouais. J'ai vraiment senti que c'était un humour auquel j'étais pas réceptif du tout, et du coup j'ai même pas essayé de forcer parce que c'est comme moi et Eddie Koenig, hein. Je parlais. j'ai pas accroché à Eddie Koenig et j'ai arrêté parce que mais je préfère le dîner de con. Bon, après je suis peut-être vieux jeu, mais... moi j'ai pas accroché au tonton flingueur, c'est pire. Ah finesse, ouais, là c'est tu te fais vite. Tonton Flingueur, ouais. Non, moi non plus, ouais, j'ai jamais vu, mais comme c'est... C'est pas mon humour du tout. Ouais, donc voilà, moi, je suis évidemment très, très triste d'apprendre ça. Après, le nouveau projet d'Azanavicius me tente beaucoup, une comédie familiale de sa part, pourquoi pas, franchement. Voilà, mais concernant OSS 117, c'est vraiment dommage que... Déjà, comme tu as dit, Morgan, qui ne puisse pas contrôler son film, une saga qu'il a créé quand même. On a l'impression qu'on est aux États-Unis et que le studio a tous les pouvoirs sur une saga, alors que en France, on est quand même un peu plus habitué à ce que le réalisateur ait le dernier mot, que ce soit un peu le chef du film. Aux États-Unis, c'est le contraire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est les studios qui tiennent les sagas, les films, et les réalisateurs, c'est des faiseurs, entre guillemets, bien sûr, c'est pas tous des faiseurs, il y a le cinéma indépendant aussi, mais les films de gros studios, c'est souvent... Après, ça peut se comprendre. Ouais. Parce que 220 millions, je sais pas si un producteur, il laisserait faire n'importe quoi un réalisateur avec plus de 100 millions de dollars, je pense pas. Oui, c'est clair. Donc voilà, je suis comme Morgan, j'aime pas non plus cette culture où on se sent attaqué partout, on cherche la petite bête partout, et c'est quelque chose qui m'insupporte vraiment. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins sur Twitter, comme je l'avais dit. Même si, bien sûr, ça vient pas que de Twitter et tout ça, mais voilà. Bref, c'est dommage, mais moi, franchement, j'espère qu'ils le font pas vraiment. Parce que j'ai pas envie de voir un OSS 117-3 sans Azanavicius, ça me paraît impensable. Voilà, passons à la dernière news, du coup, Morgan qui l'a rajouté. Tu vas annoncer tous les faits, puisque moi je n'ai aucune information, donc je vais te laisser la parole. Oui, vas-y. Tout à fait. On avait des rumeurs circulées depuis. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les news. Qui réaliserait le prochain James Bond, le numéro 25 déjà. Et finalement, il y a un nom officiel qui a signé, qui a été. Voilà. Un nom. un très bon nom, quand même. Attends. Un nom qui peut être bien, mais qui peut ne pas être pas bien des fois. Ouais. il s'agit d'un certain Danny Boyle.
Voilà. Pas inconnu au bataillon, hein, quand même. Danny Boy qui réalise un James Bond. Alors, bon. Après, Sam Mendes avec son truc très posé, quand on voit le côté un peu. Si on se retrouve avec un James Bond avec un train de 7 heures. Un James Bond qui ça va courir de partout. Ça va courir de partout. Ça va être un James Bond qui prend des drogues avec... et qui va dans les toilettes, qui plonge dans les toilettes. Tu vois des enfants. Du plastique Bertrand. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui va réaliser, on le sait. Voilà, donc j'avais envie qu'on en parle parce que c'est quand même assez. Je trouve ça assez inattendu quand même. Hein. J'attendais pas du tout Daniel Craig. Non, Danny Boy, pardon. Oui, enfin, avec Daniel Craig, toujours dans le titre. Qui sera là. Sûrement son mais j'attendais dernier, surtout pas. Oui, c'est sûr. Mais j'attendais pas Danny Boy. Je pensais vraiment pas qu'un jour on allait me dire Danny Boy réalisera un James Bond. Quoi. C'est assez. Assez fou. C'est peut-être pas le nom auquel, par exemple, moi je rêvais d'un Brad Bird sur le. Ouais, Christopher Nolan aussi, il était question à un moment. Ouais, tout le monde le fantasme un peu, hein, mais c'est vrai que ce serait c'est bien. C'est pas censé être un réalisateur britannique qui doit s'attaquer. Justement, Nolan, il est britannique. Oui, justement, c'est ce que je dis. Ah oui. Et que toi, tu voulais. Par rapport à Brad Bird, tu voulais qui, Morgan, tu m'as dit Brad Bird, il est américain. Ouais, donc, il faut que des réalisateurs britanniques. De quoi ce racisme? Il me semble que. C'est comme pour les acteurs, c'est que des acteurs britanniques. Par exemple, moi j'aurais bien voulu voir Idris Elba. Voilà, ouais, pareil. Ça aurait été mais génial. Ça, ce sera peut-être pour le prochain. Ah ouais, du coup. Ça aurait été génial. Idris Elba enfin, James Bond. Ah non. Bah, ça va foutre un bordel. Ah oui, il faut dire ouais, James Bond. Niveau arbre généalogique. James Bond, c'est un noir, c'est pas normal, mais bon. Il est tellement classe. Non, c'est pas une question que c'est pas normal. Ouh là là, attention. Oui, il est classe, mais bon, justement, d'un point de vue cohérence avec l'arbre généalogique. Non, râle pour rien aussi, mais. Ouais. C'est voilà donc ou alors non moi je trouverais ça génial mais ne tombons pas non plus dans le côté James Bond féminin parce que là aussi c'est un peu un fantasme il y a beaucoup qui veulent un James Bond femme je sais pas pourquoi mais ok mais en tout cas bah comme Doctor Who oui mais ça peut le... oui tout à fait ils ont mis une femme ouais mais bon ça après je pense que James Bond a toujours été iconisé en tant qu'homme bon bah voilà faut pas que ça change non plus mais en tout cas Danny Boy donc moi je suis plutôt je suis très surpris je sais pas quoi en penser en fait je suis un petit peu partagé parce que je peux avoir une passion énorme Jobs. Pour Danny Boy Steve Jobs qui est peut-être pour moi son meilleur film de ceux que j'ai vu Sunshine j'ai pas accroché j'adore Slam Dunk Millionaire je trouve que c'est un récit initiatique absolument merveilleux et poétique mais Steve Jobs c'est son meilleur je trouve aussi ouais Steve Jobs pour moi c'est son meilleur mais j'ai pas vu Trainspotting aussi par contre La Plage 28 jours plus tard il l'a fait aussi Oui, qui est très bien, 28 jours plus tard. Je préfère la suite, mais en tout cas, j'aime beaucoup 28 jours plus tard. Mais 127 heures, par contre, pour moi, c'est insupportable. Je n'ai tellement pas supporté ce film. Et s'il me fait un James Bond aussi hystérique que ça, de voir... Comment ? Décathlon. Ouais, voilà, une pub Décathlon. Ah non, mais moi, si on voit Daniel Craig sauter dans la montagne en mode hystérique... Oh là là, non, attends. Puis, alors moi, je supporte pas James Franco et la réalisation épileptique. Je peux vous dire que ce film-là, il est pas pour moi. Et il a quand même su se renouveler, je trouve, assez souvent. Et oui, qui change énormément de style selon le film. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il va pouvoir s'adapter très facilement à l'univers de James Bond et que... il va faire son film tranquillement, je pense. Hein. Bah même, ça s'est vu par exemple avec Trainspotting 1 et 2. Enfin, c'est l'opposé même, rien qu'en termes de réalisation et de style. Oui, mais il a grandi entre temps. Enfin, Trainspotting 1, c'est vraiment l'œuvre d'un quasiment d'un ado. Et là, c'est plus l'œuvre d'un adulte. Les deux. C'est le premier, mais un petit ton assez crasseux quand même. Très crasseux, ouais. Très voilà mais voilà pourquoi pas moi je suis comme je l'ai comme je le dis j'ai vu aucun je passe vraiment pour le mec qui a rien vu mais j'ai vu aucun James Bond donc voilà je peux pas me prononcer sur le fait que ça rend hommage à la saga ou est-ce que c'est dans la continuité ou pas moi je pense que Danny Boyle c'est un bon choix pour la saga parce que il peut s'adapter à tout donc il sait faire des bons films d'horreur avec 28 jours plus tard il sait faire des films d'action il sait faire des biopics enfin voilà il sait à peu près tout faire donc pourquoi pas Eddie toi je...
Tu t'en fous. J'ai aucun avis en fait. Moi j'ai lâché. Ouais. J'ai jamais trop regardé James Bond donc. Ouais. Et j'ai toujours pas attaqué ceux avec. Daniel Craig. Daniel Craig donc du coup bah. Ouais, t'as aucun avis. Puis Danny Boyle, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Steve Jobs. Mais je peux pas vraiment dire que je sois fan du réalisateur. Oui, non, moi non plus, je suis pas méga. Donc du coup, par exemple, Trainspotting, jamais vu. Enfin, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça me, non, ça me, comme j'aime le dire assez souvent, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà, parfait. Mmh. La catchphrase. Voilà. Du coup, Antoine, pour finir. Je suis pas fan non plus de James Bond tout ça, mais c'est vrai que de Daniel Craig, jamais vraiment aimé ça. Mais avec Danny Boyle derrière, bah pourquoi pas. Ok. Enfin, ça peut être vraiment très sympa, je pense. Ok, très bien. Et ben voilà, on a fini. Punaise, Morgan, tu nous as rajouté. Bref, non, non, c'est bien, c'est bien. Ça va. Non, mais... Ça va pas durer non plus 20 ans. Non, non, bien sûr. Mais en fait, j'avais vu passer des rumeurs, mais c'était pas confirmé, du coup, comme tu me dis que c'est confirmé. Et que je te fais confiance. Hein. Oui, Danny Boyle a dit justement dans une interview qu'il travaillait sur un autre film et qu'en fin d'année, justement, il commençait à bosser sur le nouveau. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast qui était encore une fois très long, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire. Merci beaucoup. Beaucoup de Disney. Oui, c'est vrai, c'est vrai. merci beaucoup, comme d'habitude, Eddie et Morgan. Un merci très, très spécial pour toi, Antoine. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Franchement, j'étais très content de t'avoir. C'était une très bonne expérience aussi. Mmh. Bah oui, c'était ton premier podcast, vraiment. Oui, en plus. Ok, ouais. Donc c'est la première fois que j'ai échangé avec des gens pour franchement, avec du cinéma. Oui, franchement. Ça aurait franchement, pu être honnêtement, pire, tu t'en sortais, tu t'en es très bien sorti parce que moi, je me souviens de mon premier podcast, c'était et il me semble, j'avais 18 ans aussi, du coup, donc et j'étais vraiment pas aussi à l'aise que toi, donc vraiment, c'est l'expérience du podcast après, n'est pas évidente. Des vidéos, tout ça, voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. Après, improviser, c'est pas forcément pareil qu'écrire. Ouais, et c'est clair, c'est clair. Et réviser et apprendre par cœur. Ouais. Non, puis j'ai peut-être le don moi pour dénicher les bons talents. Oui, non. C'est Adrien, qui c'est qui vous... je pense. Ouais, c'est ça. qui c'est qui vous a amené Adrien? C'est moi qui vous l'ai amené. Oui. Là, je vous l'ai amené Antoine. Mais peut-être 15 jours, ce sera quelqu'un d'autre. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Après, je sais pas ce que c'était, mais on va passer. L'imitation de Dominique Besnéard. Voilà, Eddie connaît les références. J'adore. Ouais, je suis fan. Donc, je vais rappeler où vous pouvez nous suivre. Donc le site c'est moviesnerd.net où vous pouvez retrouver nos critiques et nos podcasts audio ainsi que nos émissions vidéo. Pour les réseaux sociaux, c'est sur Facebook c'est moviesnerd tout court et sur Twitter c'est movies_nerd. Vous pouvez noter le podcast Parlons Cinéma sur Sens Critique aussi sur iTunes et PodCloud. Comme d'habitude, ça fonctionne pas. Voilà, j'en dis pas plus, hein. Je l'ai déjà assez expliqué. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et comment ça nous faire chier? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ouais, ça commence un peu, mais voilà. Tu leur envoies un gif à l'Alexandre Astier, sortez-vous les doigts du cul. Ouais, franchement. Moi, vous pouvez me suivre sur Twitter, Sens Critique, Movies Nerd, Steam. Et c'est tout, The Lexal, THELEXAL. Voilà. Antoine, toi du coup, où est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter déjà? Non, pas forcément. Ah, plus okay. Sur ma page YouTube. YouTube, ok. Justement, seulement ça pour l'instant. Ok, d'accord. Pour l'instant, j'ai que ma page YouTube, c'est tout. Ok, d'accord. Qui est le nom? Cinémania. Ok, de très bien. De toute façon, je te l'enverrai après, ouais. Sur Skype. Oh. Y a pas de souci. Un C en plus et c'était mon pseudo d'avance. Ah, c'est ouais. Vrai. Ah oui, j'ai vu. Ah ouais, Cinémaniac. Ouais. Eh ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est ouais. Cinémania. Les grands esprits. Hein. Ouais. Sans le C. Sur YouTube. Ouais. Sur YouTube. De toute façon, je mettrai le lien. Voilà, c'est ça. Okay. Parfait. Moi, je mettrai aussi le lien dans les notes de l'émission. Ok. De rien, c'est normal. Morgane, toi?
Eh bien, moi, sur Vodcaster, Cinémaniac, oui. Avec un C, comme quenouille. Couille aussi, mais bon. Ouais. Je parle pas des absents. Sur n'importe quoi. Sur Twitter, @CinéMorgan, Morgan Cinémania. Morgan Cinéman, non, parce que c'est plus Cinémaniac. Ouais. Sur Facebook, Morgan Sheridan, marié depuis peu. Et sur. Quoi, c'est vrai. Et sur. Bah, c'est tout. Oui, non, sur PSN, allez-y, ajoutez-moi Mogo-Sheridan. Et puis sur Snap, M Cinémaniac. Allez-y, je fais des belles stories. Ok. Finesse. Et Eddie, du coup Bah, du coup, Eastark, alors sur Sens Critique. Sur Facebook, sur Movies Nerd, ensuite Eastark Play sur YouTube, ouais. Et sur Steam c'est Eastark 91, et du coup le petit dernier que j'arrive pas à retenir, Eastark 91 Discord. Hashtag 2976 sur Discord. Sur Discord, voilà. Si vous avez retenu tout ça. Non, c'est quoi ça? Non mais, c'est quoi, mais Eddie il a un programme de ministre depuis qu'il s'est mis. Depuis qu'il s'est mis aux jeux vidéo, c'est un truc. C'est une catastrophe. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Ouais. Donc voilà. Merci encore à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Je peux faire une petite pub. Oui, vas-y. Je suis en train de préparer une critique sur le film Annihilation, là, le dernier film d'Alex Garland. Ouais. Ah. D'accord, très bien. Donc, et c'est. Bah, j'irai voir ça avec intérêt. C'est ça sort, t'as déjà une... Là, c'est je suis en train de faire le montage très final, donc d'ici ce week-end, je pense que je vais pouvoir la sortir. Ok, bah de toute façon, ce podcast sortira le lundi, normalement. D'accord. Donc, donc, quand vous écouterez ce podcast, ce sera déjà sorti, du coup, normalement. On va pas te stresser non, pour non, de toute façon, j'ai bientôt faire l'émission. Ok, d'accord. Donc voilà, allez voir cette chaîne. De toute façon, il y a les liens. Et merci à vous trois encore d'avoir participé. Et puis, ben, on se dit, dans un mois, pour un prochain Parlons Cinéma. Salut. Salut. On parlera de Spielberg. Non, pas dans Parlons Cinéma, dans Movies Nerd. Oui, bon, ben au revoir. Oui, voilà. Au revoir, merci.